Asana, j'ai join. Ouais, ok. Bah moi, on m'a fait un topo, mais genre vite fait. Ils m'ont dit, ouais, il y a un mec qui fait de l'Athéna. Ok. Et il est sur Lonecove. Attends, il y a un mec. Là, t'as sondé un mec qui fait une quête normale. Hey gros, je t'ai dit, il y avait un milliard. On a un milliard de mecs qui cherchent. Tu te fous de ma gueule? Je te promets, en fait, on a des FDD, mais en fait, il y a des mecs qui cherchent aussi des quêtes Athéna. Et il y a un mec qui a trouvé un truc sur Lonecove. Ils ont pas encore check, donc ils savent pas. Mais comment ils savent que c'est Athéna alors? Non, en fait, ils ont vu le mec à l'Athéna au loin, tu vois. Et du coup, ils sont planqués là. Par contre, si jamais. Il a l'émissaire, le mec, il a l'émissaire, c'est ça? Oui, il a l'émissaire. Par contre, si jamais le mec, il fait de la merde, tu vois, bah, on part sur FDD normal. Ok, mais ils ont pas sondé jusqu'au fin. Non, ils ont pas. On a jaloux ou pas? On a jaloux. Au cas où. Ça, je sais pas. Okay. Non, y'a pas. Vas-y, joignez-moi, les gars, joignez-moi. Vas-y. On arrive. Et les gars, là, je vous explique. Si c'est vraiment un mec qui fait une quête Athéna, je vous le dis, on est parti pour un truc sublime, incroyable. La triplette, les quêtes Athéna, pourquoi infiltré à l'époque, tu vois, il y a 4 ans, quand on a infiltré des quêtes Athéna, et pas juste des forts, parce que toi, je crois, Squeezie, t'as jamais fait une quête Athéna. T'as toujours infiltré des forts. Ouais, que des forts. Et quand t'infiltres une quête Athéna, c'est un truc de ouf, parce que le mec se balade entre île et île, tu vois, et il se passe des trucs entre chaque île et tout, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Eh, c'est okay. Galion, frérot. Quoi? Je sais pas, j'ai pas regardé. Il y a un Galion. C'est où? C'est Est, non? Non, c'est nord. Je sais pas, j'ai derrière l'île, je vois pas. Attends, je regarde. J'ai tiré au canon, mec, par contre. Hein. C'est nord-est. Nord-est? Nord-est. En vrai, ça va. Enfin, c'est fine, normalement, on est assez loin, j'avais vu sur la carte, mais. Je cherche à loop, moi. Ouais, bah, on va faire un tout droit là. Non, faut pas tomber. Donc le mec, il en est où dans la quête là? Mais les gars, c'est pas un mec, c'est un galion. Là, c'est un galion qui est Athéna, et en fait, mes gars se sont placés ultra loin pour pas l'effrayer, je pense. Et là, ils cherchent. Enfin, ils sont en train de chercher une chaloupe, ils ont pas encore trouvé. Nord-est. Du coup, on va faire le reste des îles. Mais pourquoi t'as besoin d'une chaloupe pour ta quête Athéna? Non, c'est mieux pour s'infiltrer quoi. Au lieu de nager, c'est mieux d'avoir une chaloupe. Ah, ok, pardon. C'est nous qui cherchions une chaloupe. Ok, je pensais que tu parlais des ennemis, c'est pour ça que je comprenais pas. Mais par contre, mec, il bouge à balle nord-nord-est. Ah ouais, il bouge là? Ouais. Mais frérot, je suis même pas sûr que c'est ton gars en fait. Ah ouais? Moi, je vois un émissaire au loin. Tu vois un émissaire nord-nord-est? Ouais, mais je vois le flag en haut. L'émissaire. Ok, moi je vois son flag, mais mec, il a bougé de ouf. Ah ouais? Là, j'ai l'impression qu'il a l'arrêt. En nord-est. Bon, moi c'est lui, hein, parce qu'à la distance et tout, pour moi c'est lui. Hein. Mais c'est largement lui, hein. Lonecove. Hein. Ok. Et tu veux y aller comment? Bah, le mieux, ce sera en. J'ai chaloupe. T'as une chaloupe? Ouais. Ah, on revient en arrière. Squeeze, tu peux poser l'ancre? Ouais, maintenant? Ouais, pose l'ancre direct. Vas-y. On va faire un demi-tour ancre. On va remonter ensemble. J'ai une chaloupe avec une caisse de munitions. Vas-y, let's go. Go remonter l'encre. Y'a Captain Yoro qui va me péter. Je vous attends, du coup, je suis de l'autre côté de l'île, ok? Ok. Venez à moi, ça va être trop chiant sinon. On arrive. Les muns, je les dégage, on est d'accord, hein? Ouais, est-ce que ça brille? Ouais. Attends, vas-y, on va arriver. En pire, on laisse le navire là ou. Laisse-le là, on s'en fout. Vas-y, je tourne. Au pire, on scuttlera s'il le faut, mais là, s'il est à Lonecove, il faut qu'on y aille. Hein. Ouais, mais c'est surtout que, en fait, si c'est quête Athéna, mec, ça va être une dinguerie parce que du coup, il y aura plein d'îles. Et en vrai, c'est bien qu'on laisse le navire là, comme ça, on pourra trianguler la pose à chaque fois. Mec, c'est Galion, j'adore affiler un Galion, voyez-vous. Ah, je suis trop content, putain. Là, le petit gars. Au final, on a fait une bonne action aujourd'hui. Enfin, bonne action. Voler son putain d'Athéna. Mais bon, l'issue aurait pu être pire pour lui, en vrai de vrai. Ouais, elle aurait pu être giga pire. Mais après, ça va, tu vois, il a quand même rendu un coffre en or, hein. C'est 10 000 balles. Ah, par contre, hey, mec, vous êtes en bateau là? Ouais. Vous allez où là? Bah, on va vers toi. Bah, ouais, mais arrêtez-vous là. Bah, c'est bon, tu viens avec la chaloupe. Bah, là, il vous voit de ouf là. Ah merde, j'avais oublié. Bon, au pire, on fait une quête. Voilà, c'est bon. Ouais, mais mec, y'a personne qui fait des quêtes maintenant, c'est fini. Mais si, ouais, bah eux, regarde, vas-y, rentrez. Prenez de la bouffe et rentrez. Ok. Quoi, ils ont fait de la bouffe en plus, un peu. C'est bon, j'ai mes cocos, je suis prêt. Tac. Vas-y, ok, nouvel arc.
Direction le okay. Galion qui fait sa quête Athéna. Alors ça c'est un galion les gars, galion, il y a beaucoup d'endroits, vous vous rappelez de ouais, endroits ouais, ouais, j'ai tout. Bah le mieux c'est la cabine du capitaine là, c'est trop drôle. Le volant et cabine du capitaine, ok. Bah je préfère le volant, comme ça tu vois bien. Le volant on va pas le tenter sur une quête Athéna. Par contre j'ai mal. Ok, ok, ok. Ouais ouais, dégage. Hop. Cabine du capitaine. Pédaler. Vas-y. En fait les gars, on va pas utiliser, on va pas tenter le autre chose parce que sur une catadana ça peut durer longtemps. Okay. Et du coup des fois il rentre dans la tempête, des fois il se fait attaquer par des navires, squelettes, des fois il se prend des trucs et en fait ça te dégage, tu sais. Parce ouais. que t'es exposé à l'extérieur alors qu'à l'intérieur t'es safe. Ok, 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 je capte. Donc là il faut vraiment qu'on joue à safety parce que si c'est vraiment une catena les gars, Athéna ça va être incroyable les gars, je vous le dis. Vous êtes vraiment, c'était les meilleurs infils qu'on ait faites avec Senda à l'époque. C'était incroyable. C'était incroyable, on suivait des mecs pendant 2 heures, fallait regarder leurs cartes, se souvenir, les viewers ils clippaient sur la carte où les mecs ils allaient aller parce qu'ils entouraient les îles avant. Tu sais genre tu commençais une catena, t'avais 10 îles, ok. Donc 10 quêtes sur 10 îles. Donc okay. Les mecs identifier les îles et les entourer sur leur carte. Et du coup, on arrivait sur le navire, on regardait leur quête si c'était bien une quête Athéna. Et si c'était une quête Athéna, on fonçait sur la carte pour regarder toutes les îles qu'ils allaient visiter. Et en fait, quand ils ont fini de visiter une île, ils la décochent généralement. Et du coup, tu voyais combien d'îles il leur restait. Il y avait toute une analyse en mode CIA à faire, tu vois. et des fois, tu sais, quand il leur restait 3 îles, on mettait genre un mec sur chaque île. Et comme ça, en fait, on avait, on pouvait trianguler un peu la position. Là, tu veux qu'on check ça du coup là? Ah bah oui, là, on va tout Ouais, genre si jamais c'est vraiment une quête Athéna et pas les nouvelles quêtes de merde là, ça peut être une folie. Hein. Genre vraiment, c'est un classique. Ah ouais, là, c'est classique, hein, old school classique. Bah, hâte d'être sur le bateau. Hein. Est-ce que j'ai le temps d'aller me. Est-ce que j'ai le temps d'aller. Dans le chat, on me dit plus personne utilise la map maintenant. Ouais. Bah oui, normal. Normal. Ah ouais. Après, quoique sur une quête Athéna classique, moi j'utiliserai encore. Hein. Je vois pas pourquoi j'utiliserai pas. Bah, peut-être parce que les gens ont peur des infiltrations, non? Là, c'est des mecs parano ou en vrai, non? Ah, tu sais, j'avais fait une infil avec Alpha. Et Alpha, il avait déterré un coffre Athéna au hasard, mec. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, on tournait un. Il avait pelleté l'île. C'était une dingue. En fait, assieds-toi. C'est qui ça? Dog. Merde, pourquoi ça m'a relevé? Assieds-toi. Ça arrive, c'est les vagues. Et en gros, on savait que l'Athéna était sur telle île, tu vois. On savait que c'était leur île de l'Athéna et du coup, on a pelleté toute l'île. Et du coup, elle a failli tomber sur l'Athéna. Par contre, je vois plus du tout, mec. Je sais pas si tu vois, mais moi, je vois plus rien. De quoi? Le navire? Bah ouais, je vois rien en face de moi. Il est juste un peu à gauche. Si, moi je le vois. Il est juste un peu à gauche là, de par rapport à moi. Ouais, moi je le vois. Il est sur notre gauche légèrement. Voilà, exactement. Mais qu'est-ce qui se passe? Encore un peu à gauche. Tu le vois là, il est à l'arrêt? Là je le vois pas à cause des vagues, mais je sais qu'il est là. Ouais, encore à gauche. Ouais, voilà, ok, il est full stop. Il est full stop et on arrive dans les fesses. C'est parfait, on va. Eh hey, mec, oh là là, mais quelle chance on a! Gros, mais crois-moi que je vais docker! Hey, le premier truc que je vais faire, je vais check la quête. J'en ai rien à foutre, c'est des mecs qui alors, me tirent là, dessus. Les gars, je vous explique. On dock, on va arriver du coup dans leur cabine de capitaine, on se cache, on va checker la quête, ok? Ok. Et même si c'est pas une katana, soyez pas déçus, ça se trouve, c'est des perles rares, tu vois. Ouais, ouais, faut voir. Et de toute façon, en fait, ce qui est cool, c'est que là, il y a des chances pour qu'ils se parlent en audio, tu vois, et ça, c'est trop marrant. En vrai, c'est giga rare, mais si c'est le cas, par contre, c'est une dinguerie parce qu'il n'y en a pas beaucoup des mecs qui parlent. Hein. Ah ouais, putain, moi, à chaque fois qu'on a infiltré, les mecs ils parlent un minimum. Hein. Ah, mais on a eu de la chance à chaque fois. Hein. Parce que vraiment. Au début du jeu, au début, ça parlait de fou. Ouais, maintenant ils sont sur Discord. Ouais, bah, normal. Ok les gars, on approche. Ok, c'est le moment. Dwag, t'es prêt? Oh putain. Dwag. Cabine du capitaine, planque habituelle. Planque habituelle. Et on a les ordres. Vous allez direct à l'armoire, je vais checker les ordres. Est-ce que tu penses que c'est comme avant, putain? Avant, c'est genre, oh là là, c'est incroyable. Avant, t'avais toujours un mec qui gardait.
Ouais. Avant, il y avait un mec sur sérieux, le bateau. Sérieux, c'est sa mission, c'était de voir si tu te faisais infiltrer, quoi. Ouais, c'est ça. Non, non, pas si tu faisais infiltrer, s'il y avait des bateaux ennemis autour. Ok. En normal. Fait, c'était là pour garder les loot. Parce que pendant la quête Athéna, tu chopes énormément de loot avant d'avoir l'Athéna. En fait, il faut que tu fasses toutes les îles, que tu déterres les coffres. C'est que à la fin qu'il y a l'Athéna qui... En gros, les gars, la quête Athéna, tu dois faire 10 îles où tu déterres du loot, tu les poses sur ton bateau et tu vas direction de l'île suivante. Donc là, c'est l'une de ces îles-là qui a juste derrière. Attends, ils viennent de commencer en plus, ils sont à Athéna. Ils sont à Athéna. Ouais. Après, ils ont leur petit drapeau d'équipe. Ok, préparez-vous, les gars, concentration. Concentration. Doucement, hein, doucement. Ouais. Je vais check la quête direct. Moi, je vais me cacher direct. Ah, ça tire. Attention. C'est bon, vous levez pas. Ok, vas-y, go. Go. Vous faites Athéna. Vas-y, les gars. C'est qui ça? Non, c'est qui ça? Dwag. L'armoire, la caisse. Voilà, vas-y. Ok, nickel, let's go baby. Je m'en souvenais pas très bien. Moi aussi j'ai fait la même merde que toi. Je les vois, ils chopent des cochons, non arrête. Ah, je les vois, ouais. Frérot, il est en train de choper un cochon. Mais attends, il est sur un balai magique, lui. Tu le vois? Mais quoi? Mais attends, tu le vois, lui? Non, je vois pas, moi, c'est... Oh non, c'est des cheaters, non. Mais attends, frérot, t'as vu ce que j'ai vu, là? Ouais, j'ai vu ce que t'as vu. Senda, t'as vu ou pas? Non, je vois pas. Il est à travers la vitre, sur ton écran, Squeezie, tu l'as vu aussi, le mec? Je l'ai vu. Comme si t'étais sur un balai magique. Oui, je l'ai vu. Mais c'est un bug ou c'est... Ah, c'est toi. C'est moi, j'étais en lumière. Mais c'est un bug ou... J'espère que c'est un bug, frérot. Oui, je le vois. Mais quoi? Wesh, il est debout sur un balai. Moi aussi. Il vole ou pas? Arrête, on est tombé sur des cheaters? Mais je crois. Wouah, l'autre il est en mode Spearman, il vole en allongé. Attends, non. Mais il vole dans les airs ou juste sur place? Il flotte. Ouais, genre il flotte. Il flotte, ouais, il évite quoi, il est genre à 2 mètres il du sol. Voilà, ouais, ok, j'ai cru qu'il volait en mode Harry Potter, frérot, s'il évite ça va encore. Mais c'est un bug ou c'est un cheat? Ouais, s'il évite, c'est que ça peut être un bug. Mais s'il vole dans les airs, frérot, c'est pas un bug, hein. Putain, j'ai envie de sortir et de voir, bordel de merde. Ah non, là, c'est fini, frérot. Là, c'est patience. Tu sais, Senda, j'ai envie de tenter une capitaine, hein. En vrai, personne checkerait maintenant. Y'a un mec. Mec, c'est quoi? J'étais à deux doigts de me... Frérot, de c'est bouger, quelle période? C'est quelle période d'Athéna, ça? Hein? Frérot! Fais gaffe, il range dans les coins. Hein. Ça, c'est le. La quête Athéna a été changée. Mais après, ça, c'est une guildette, c'est. Pourquoi il y a du loot comme ça? Attends, c'est que les. Oh, les verts. Ça explose. Les gars, je vous préviens. Là, les gars, on a possible masterclass. Oh là là. Vraiment. Mais non. Et du coup, il faut vraiment pas fail. Je vous le dis. Faut pas fail. Ouais, en gros, je vais vous expliquer le truc. C'est une quête, genre, normalement, on l'a une fois par an. Si on la voit jamais quasiment. On la voit quasiment jamais. Y a pas de bouteille dans la guildette, frérot. Si, mais tu sais, en fait, maintenant, tu sais, t'as une quête de coffre, une quête de crâne et t'as une quête marchand. Guildette? Ouais. Attends, la guildette, la Hellguild, c'est. Oui, à la fin, y'a trois. C'est la meilleure quête du jeu et tu peux l'avoir qu'une seule fois par an. Il y a trois Athéna à la fin, wesh. Attends, la guildette, c'est la meilleure quête du jeu que tu peux avoir qu'une seule fois c'est par an. C'est la meilleure quête. Tu l'as qu'une seule fois si par contre par an, mec. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, scripted. Je te jure. Et en fait, tout le monde attend le bon moment, tu vois, genre pour la faire, etc. Parce qu'il y a trois Athéna à la fin. Mais quelle mauvaise idée de lancer ça un mercredi soir en prévision de notre live Sea of Thieves. Alors qu'on est sur les eaux. C'est pas sûr, les gars. La prophétie 2.0. Ah, dans le chat, on me dit, tu l'as. T'as la quête que si tu te connectes le 25 décembre. Normalement, c'est ça, ouais, c'est une fois par an. J'y crois, fin la prophétie 2.0. La prophétie veut qu'on finisse avec tout le butin. Mais Senda, t'es gros, je suis sûr, à 1 milliard de %, j'ai vu le contour doré sur le truc de la quête. J'ai une vision. Attends, tu te fous de ma gueule. Mais je te promets sur la vidéo. Mais oui, mais regardez. Mais oui. Va regarder. Non, c'est fini. Trop risqué. Mais moi, j'explique. Senda, il faut que tu me dises. Si t'es sûr que c'est une guildhead. Je suis sûr à 100%. En gros. Ah, attends. Les loots que tu ramènes au début, c'est bien les Athéna comme ça, brillants? Bah, à mon avis, ça doit être la dernière quête qui a été améliorée. Où t'as des loots Athéna de merde là. T'as des coffres, des crânes, des trucs machins. Ouais. Et après, t'as une deuxième île avec la même chose. Et après, t'as l'île avec les trois Athéna. Trois Athéna? Ouais. Trois t'as une île Athéna. Où il faut déterrer trois Attends, Athéna, du coup, mec. Du coup, c'est quoi? C'est trois îles? Ouais, ça là, correspond c'est à ma vision. Et du coup, ça a du sens que c'est Lone Cove alors. Comment je pouvais savoir tout ah, ça? Ah, c'est genre... Guildhead! C'est Guildhead!
Mais comment je suis... Mais je... comment je pouvais savoir tout ça, moi? Je criais sa mère. C'est quoi cette soirée? Les gars, c'est quoi la vision qu'on a là? J'ai une vision que tous les chats spammaient GG pour les 3 Athéna. Et c'était aujourd'hui, gros. Oh, je sais pas pourquoi, je suis pas censé savoir tout ça et c'est comme si c'était inné. Donc oui, on est dessus. C'est la prophétie 2.0. Les gars, c'est la prophétie 2.0. C'est maintenant, genre. Alors, ceux qui comprennent pas dans le chat, je vois pas de gens qui disent je comprends rien. En gros, dans le jeu, nous ce qu'on aime faire, c'est voler le butin des mecs qui font les quêtes. Et il y a des quêtes qui sont très longues. Et donc, on s'infiltre sur leur bateau, comme là on a fait, on attend qu'ils finissent la quête. Et quand ils l'ont fini. Et qui vont à l'avant-poste pour vendre les butins des quêtes, on les bute et on les vend à leur place. Donc on se fait nous l'argent, comme des pirates quoi. Et là, en gros le but c'est de trouver des mecs qui font les quêtes les plus rares pour avoir le loot le plus fou. Et là apparemment c'est la quête la plus rare du jeu qu'ils sont en train de faire. Et donc celle qui te donne le meilleur loot du jeu, voilà. Donc vous voyez là ils sont en train de faire cette île. Et les quêtes c'est des successions d'îles en gros. Tu dois t'as des objectifs sur plein d'îles. Non mais mec, regarde. T'as 1 milliard de coffres, c'est littéralement une guildette. Donc une guildette, c'est une quête que tu peux faire par compte par an. Oh ok. Et là, on est tombé là-dessus, les gars. Et c'est sûr, parce qu'en fait, dans les guildettes, t'as toujours Mask of the Captain, ce qu'il vient de mettre là. Les dorés, là? Avec le crâne doré. Oh là là, il me faut rêver, ceux-là. Il me faut rêver. Oh, mais les gars, c'est peut-être notre plus grand butin ever. Non. Oh mec, il met des coups d'épée. Ouais, ils ont l'air violents. Eux, ouais, ils sont agressifs. Hein. Ouais, ils sont agressifs. Ah putain, j'aime pas ça. Ouais, et en plus, on a 4 au même endroit. Ça veut dire qu'il y a un gars. Il y a un gars, il nous met 3 coups d'épée, frérot, on meurt tous. Attends, là, la brochette, elle est vieille. Oula, attends, mais il cherche. Wesh. Il joue avec les bâtons magiques là. Hein? Quoi? T'entends pas le bruit là? Non, c'est pas une sirène en dessous? Ah non, c'est les mobs. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils jouent avec les bâtons là, tu sais, qu'on trouve par terre. On bouge là. Non, c'est un agresseur. Non. On est sur place, Ouais, sur place. Ouais, on tourne. Waouh. Wow. Et échappe pas à mettre tout le monde, hein, ok? Parce que la déco, par contre, c'est assassin. La déco, elle fait très très mal, je vous le dis. C'est quasi impossible de revenir. Hein. Genre, c'est pas comme l'effort où là, on a vite fait des respawns. L'effort, c'est un peu le mode deathmatch. Ça, c'est le vrai mode, les gars. Wow. Là, vous êtes vraiment si dans on se rate, si on se rate, c'est terminé. Genre, le braquage rate. C'est terminé, okay. Sauf s'il y a un mec encore en vie qui arrive à mettre l'angle pendant que les autres y poursuivent, tout ça. Et après, tu réinfiles et tout, mais après. Plus tu fais ça, plus les mecs sont méfiants et plus ils checkent tous les recoins et moins tu peux t'infiltrer facilement. Alors que là, ils se doutent de rien. À l'époque, on faisait ça pendant 2 heures, on pourchassait les mecs, on se réinfiltrait, on avait trouvé des cachettes incroyables sur le bateau. Putain, la prophétie. C'est lui là qui volait là. Je pense que t'as un bug. Oh, comment j'ai trop peur quand ils viennent là. Mais pourquoi ils les mettent ici? Pourquoi ils mettent ça là? Pourquoi ils mettent ça là? Mais en même temps, c'est Simon. Mec, ils vont mettre les Athéna ici, on va les prendre, on va les mettre dans la chaleur, on va se barrer. Old school! Old school! Ça me fait chialer de rire. Gars, moi je flippe, hein. Je flippe de faire une connerie. Bah là c'est l'opportunité la plus grosse ever, les gars. Là, okay. Là je vous avoue que j'ai un peu. La pression. Genre, je découvre l'adrénaline et l'excitation que j'avais. Je suis en mode full adré. Oh, tous les scénarios qu'il peut y avoir en plus. Oh là là. Arrête, je la jure. Et vous pensez pas qu'on devrait se split, les gars? J'ai trop peur du coup de pompe qui nous one shot tous les quatre. On peut pas tout gâcher. Il y a trop de mecs sur le navire. Il y a trop de mecs. Oui. Okay. Trop de mouvements, les gars. Ok. Et en plus, en fait, les loot, ils arrivent très très vite en guilded. Donc ça veut dire que là, on va pas attendre longtemps, les gars. Là ils vont dans. En fait, là ils sont en train de vider cette île. Et ensuite ils vont aller sur une autre île, ils vont faire exactement la même chose. Ils vont passer 20 minutes. Et après ils vont arriver sur l'île dernière et c'est 3 Athéna direct. C'est ça, Sea of Thieves, c'est un vrai exercice psychologique. Quand ils ont ramené les trois derniers Athéna, on passe à l'attaque, on les bute les 4 et vous faire péter le. On verra, c'est dans une heure, on verra. Non mais au moins qu'on sache. Ouais mais que tu sais. Voilà. Frérot, donc en gros c'est bien plus délicat que ça. Ok. Là, on sait qu'ils mettent les loot ici, donc c'est bien pour nous. S'ils mettent les Athéna, si par malheur ils mettent les Athéna dans cette pièce, on prend les 3 Athéna, on les met dans la chaloupe. Ni vu ni connu, il y en a qu'un seul qui le fait. Ok. Ok. Ils se barrent en chaloupe et les 3 autres ils restent.
Juste pour fight et leur faire perdre du temps, c'est ça? Là, là, pour attendre les réactions pour tout et pour prendre le reste des loot. Ah ouais, okay. Ah ouais, ah ouais. Ah oui, toi tu veux. Game. Il se parle pas de game. Ah, mais j'ai compris, tu veux exfiltrer les Athénas sans qu'ils s'en rendent compte. Ah, mais ça, c'est meilleur des mondes. Ah, mais vous êtes trop fort. C'est dans le meilleur des mondes. Oh, je veux voir ça de mes propres yeux. Parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Genre, en fait, s'il y a des mecs qui meurent, etc., faut qu'on ramène le navire, faudra qu'on poste à un endroit. Allons la dernière île. Faudra faire des embuscades et tout, ça va être une dinguerie. Hein. Ok, ok, ouais. Vas-y, bah je vous laisse faire. Il a raison, Squeeze, on verra en temps et en heure. Mais c'est lui qui vole, les gars, c'est lui qui vole, vous le voyez? Près de l'encre. Près de l'encre? Mais comment ça, il vole? Je vois pas. Je vois pas. C'est... Il est à droite de l'encre, si tu bouges bien ton viseur à droite avec la molette reculée à fond. Bah je le vois, il est tout petit quoi, mais. Bah c'est lui qui, quand ah il ouais, se déplace. Ah ouais, il vole, oui, c'est lui, ah c'est ouais, lui qui a un bug. C'est le skin en fait. C'est le skin qui fait ça, je crois. Ils bug tous, frérot. Wesh, le ping de zinzin. Ah par ouais, contre mec, là. T'as combien? Je suis à 160. Ouais pareil. Ah mec, c'est des US, c'est trop fort, c'est des US. Gali SW, Gali ça parle SW, dans le chat. Ils ont mis dans le chat. Ça parle dans le chat. Oh non, c'est le nôtre, c'est le nôtre, non? C'est le nôtre, non? Ah c'est peut-être le nôtre. SW. Ouais ouais, c'est mec, notre, SW, c'est l'envers de Nord-Ouest. Ouais, ouais, c'est le nôtre, c'est le nôtre, c'est le nôtre. Ouais, ok, bah c'est bon, c'est le nôtre. Okay. C'est pas bon ça, il se doute d'un truc. Bah c'est pas bon parce que ça, t'imagines. Attends mec, c'est Lone Cove, c'est Lone Cove et quoi? C'est quoi l'autre île? Ah, Croxolo, c'est sud-est. C'est giga loin. C'est à l'autre bout okay, de la carte. Ok, mais ils vont pas passer par notre galion? Bah, j'espère pas. Bah là, ils nous ont grillé. Hein. Oh putain. Oh là, y'a tout le monde ah sur oui, le bateau. Tu vois, oh, y'a tout le monde sur le bateau. Eh, hey, tu vois quand ils ont des papiers dans les mains? Ouais. À l'époque, on faisait des clips, on zoomait à fond sur Photoshop. Genre, tu sais, pour voir en fait, c'était quoi la quête du mec? Parce que sur le papier, tu vois ce qu'il y a écrit? Ah. Et en gros, il y a un moment où on a réussi, avec un screenshot, mec, à trouver les emplacements de l'Athéna. Avant eux, genre. En zoomant sur le papier que vous avez dans les mains. C'est ça, le mec qui se baladait avec son papier, où il y avait les croix, tu sais, là où il y avait les Athénas sur le... Putain, mais c'est cool que tu puisses le voir, tu sais, parce qu'il y a des jeux où ce que tu vois de l'extérieur de c'est l'objet, personnel. C'est pas la même chose que... Ouais, ouais, t'as raison. Oh les gars, déjà, rien que là, c'est beau. Hein. Oh putain, il est beau. Par contre, là, les plantations, c'est ce que je pense ou... J'aime pas parce qu'ils vont pas tarder à mettre des loots sur nous. J'aime pas. C'est ça que je dis, ils ont tellement de rangées que ça va finir sur ah, nos gueules. Ils rangent. Non, on est d'accord. Ouah, c'est quoi ce RP de fou? Ouais, ils sont RP, mec, ils sont RP. Oh putain. Mec, s'ils mettent un coffre sur nous, je vais bader. Je te le dis, je vais bader. Sur bah ça, non, tant mieux, ça va nous cacher. Frérot, tu sais que. Genre, Sendai, il joue beaucoup, ok? Dites-vous que Sendai, il joue énormément encore. Moi j'ai arrêté, ça fait 2 ans que je joue occasionnellement, tu vois. Ouais. Très occasionnement. Ouais. Senda il joue encore beaucoup, tu vois. Et ces dernières années, Senda t'as pas eu ça? Ah bah en vrai, je crois que j'en ai eu 3-4 max. Mais genre vraiment 3-4 pas plus. Quand même. Bah 3, en vrai, quand il y avait l'event quoi, qui était sorti. Ah ouais, ok. J'en ai eu une en décalé une fois, mais là c'est ma deuxième en décalé. Deuxième en décalé, donc ouais, deux fois en. Ultra en, rare, mec. C'est ultra ans. Rare. On bouge ouais, là. Même en 2 ans. C'est pour nous. Ça part, ça part. C'est pour nous. Ça y est, ça part, donc là on arrive sur la deuxième île, on va arriver sur la deuxième île, donc là encore j'espère qu'il n'y aura pas de kraken, de périple, etc. C'est que trois îles? Trois îles, mec. Trois il y a îles, deux mec. Grosses non, îles, c'est t'as tout. Tous ces loots là fois deux, et la troisième île c'est une toute petite île où ils vont déterrer trois Athénas. Athénas. Mais quoi, quoi ouais. Mais la quête est plus simple que la quête Athéna basique alors? Ouais, c'est juste les récupérer oui, à la fin, ouais. Ouais, c'est genre... Oh, mais c'est pour ça que tu dis que c'est full chat. Mais le loot il est colossal. Elle récompense plus 3 fois plus. Oh là là, mais c'est génial, c'est 10 fois plus court pour 3 fois plus de loot, c'est fantastique. Oh cool. Oui, mais c'est une fois par an. C'est une fois par an, ce que mais c'est une fois par an, oui, normal. Mais oh mec, on leur nique leur quête annuelle. Oh, mais, ouais, mais quel bonheur. Pour tous les mecs, on niquait mes games Valo, quel bonheur. Ce paradis. Tu voles une guilded, c'est masterclass, frérot, je te le dis. Mais surtout, c'est un jeu de pirates, les gars. Ça veut dire, le roi des pirates, Luffy, c'est ça qu'il ferait. Il volerait une guilded. C'est ça qu'il ferait. Frérot, si jamais on se fait prendre à l'épée, les gars, on meurt à 4, hein, je vous le dis. Arrête. Parce qu'en fait... Arrête. En fait, je vous explique, les gars, ok? On va essayer de faire un espèce de truc, si jamais en cas d'urgence, ok? Vu qu'on a rien à faire là en attendant. En cas d'urgence, moi, je vais sauter, spammer ma touche saut et spammer vers la droite, d'accord? Senda, tu vas faire ça à gauche. Dorigby, tu vas faire ça à droite. Et Squeezie, tu vas faire ça à gauche. Donc moi, je vais vers la sortie, quoi. Et moi, je vais vers où? À gauche, vers le mur, avec Senda. Vers le mur. En gros, vers tu spams, tu spams ton saut et tu vas vers la porte d'entrée là, à gauche là. La porte par laquelle on est arrivé ou la porte qui est grande ouverte? L'autre porte, la porte grande ouverte. Ok.
Okay. La porte par laquelle on est arrivé, c'est là, c'est moi et Dwag. Okay. Okay, bah comme, ça, comme ça, on essaye de splitter les coups d'épée, parce que quoi qu'il arrive, il y en a deux d'entre nous qui vont mourir. Oh putain. Ok. Et il y aura pas de raise, hein. Donc en fait, les deux qui restent, il faut que ce soit masterclass, les gars. Les deux qui restent, il faut laver les quatre, se recacher, et prendre les positions et préparer à mettre l'encre. Et on est d'accord que tu peux pas te recacher au même endroit. Non, bah non. Ouais, voilà, on est d'accord. Non, mais excuse-moi. Okay, du coup, pas on fait quoi ? On se met derrière le volant, c'est quoi l'autre meilleure cachette ou dans la cale ? Ah bah soit t'es en vie avec Senda et du coup il va te dire volant derrière la carte. C'est quoi ça ? C'est quoi ça, Senda ? Ah, c'est la bataille pour Sea of Thieves. L'event bateau, ça ? Ouais, et parce que s'ils font l'event. Ah ouais, et là je commence à avoir peur par contre. Ok, donc préparez-vous les gars, là on peut prendre des boulets. Si on prend des boulets, soyez réactifs à ça vous fait remettre... des dégâts. Ah bah non, oui, mais ça peut te relever, et ça peut te relever. Oh putain. Ouais, et ça peut même te tuer. Ok. T'as vraiment pas de chance. Ah bah nous on peut pas vraiment choisir parce qu'on peut pas bouger. Échappe à mettre les gars, échappe à mettre. Oh les gars, ça rend fou, c'est tellement un truc de patience. Non, là c'est intense, Tu sais, genre t'attends 50 minutes et là d'un coup il faut agir et être genre le meilleur joueur de Sea of Thieves. Et c'est pour ça que c'est grandiose. Oh, debout. Ok. C'est pour ça que c'est grandiose, c'est parce qu'il y a tellement d'attentes que la récompense elle est décuplée, max. Et en plus nous on le vit en stream avec des milliers de personnes qui nous regardent. C'est une aventure de fou, la prophétie. Ça arrive. Contact. Non, bougez pas, on s'en fout. Qu'est-ce tout va. Qu'est-ce qu'il fait? Oubliez pas le plan de secours, hein, au cas où. Hein. Pourquoi il avait une lanterne, les gars? Ça me fait paniquer là. Parce que c'est la nuit, frérot, il voit que dalle. Et donc c'est bon signe en vrai. Ça tire au boulet de canon, je sais pas où. Ça tire à droite, donc c'est bien. Si les boulets viennent de droite, on prendra rien. Et pourquoi il y a gros de. C'est comme ça qu'il s'appelle, j'ai oublié, du film Les Mignons, le méchant. Ouais, c'est Gru, ouais. C'est Gru ? Mais c'est un vrai skin Gru. Ah oui, c'est le héros, c'est un vrai skin Gru ou c'est genre. Oh, je suis Keblo là, ma cam. Ouais, pareil, c'est horrible. Pareil, c'est à cause de prévenez si quelqu'un se lève parce que des fois on le voit pas, nous. Hein. Là, l'histoire de la cam, j'avais un doute d'être debout et tout, donc dites si quelqu'un se lève. T'inquiète pas que là. Ah là, je stresse, mec, j'ai pas envie d'être le boulet. J'ai pas envie d'être le boulet, justement. Mec, il tire au sniper sur les squelettes, c'est bon, non ? C'est bien ça. Pourquoi c'est un truc de noob ? Ouais. Ok, attention, serrez les fesses les gars. Serrez les fesses. Soyez méga réactifs. Mettez déjà votre doigt sur la furtivité. Ok. Enfin, sur le bouton quoi. N'appuyez pas dessus. Et quand ça va nous relever, ça va. Tu regarderas comme la dernière fois. Donc t'as juste à... Quand ça te relève, sauf si ça te boupe, t'as besoin de te recaler. Sinon, si ça te lève juste, t'as juste à te recacher, t'sais, remettre okay. Les mains. Et j'ai une question, quand le truc est ouvert, faut cliquer sur furtivité ou faut rappuyer sur la touche? Faut relâcher la touche, la roue furtivité quand tu... Faut pas cliquer. Faut juste mettre ta souris dessus et rappuyer sur la touche. Tu mets ta souris et tu relâches. Ok. Bah non, moi c'est j'appuie, je mets la souris et je rappuie. Ouais, pareil, non. Je fais ça aussi. Moi je fais faut ça. Mais non, mais pas cliquer, rappuyer sur la même touche qui ouvre la roue. Ouais, c'est ça, rappuyer. D'accord, okay. Je suis d'accord. Faut jamais cliquer sinon ça te fait tirer. Jamais, là, c'est ça le... tire. Ouais. Mais t'es d'accord que c'est pas intuitif, faudrait qu'on clique. T'es d'accord? Ah, moi ça m'a fait. Non, c'est pour ça que je tirais tout à l'heure. Bah oui, parce que tous les. Non, parce que tous les objets de roue ici c'est que du relâche. Ok. Donc quand t'as l'habitude de faire avec la roue. Ok. Senda, t'as quoi? Il commence à jouer de la musique, il commence à prendre un petit peu trop la confiance. Mais oui, Senda, t'es muté. Savoure ton instant, savoure tant que les coffres sont en ta possession. C'est quoi ça? Mais dans quelques instants. Arrête, ça de regarder, sera arrête, quoi, quoi, quoi ça sera à nous, ça sera à nous. Bientôt, ça sera à nous. Oh là vas-y, là. Vas-y, j'arrive qu'à gueuler. Heureux. Il vient de partir, Locke. Ouais, mais je suis allé pisser. Ah ouais, t'es allé pisser. Mais gros, j'allais mourir. Mais mec, j'ai envie aussi, mais vraiment, vous êtes des cas. On fait une rota. Ouais, ils se sont fait déchirer par un boulet. Non, mec, personne part pisser là. Non, les gars, s'il y a un boulet qui te lève alors que t'es en train de pisser, c'est la gamme, elle est morte. Ah oui, non, là, à gauche, il y a un navire en plus. Les gars, c'est le vol du siècle, on fera jamais mieux. Exactement, c'est vraiment le vol du siècle. C'est le vol du siècle, on vole les mecs qui font la quête annuelle, on fera jamais mieux. Ça arrive qu'une fois dans une vie de pirate, mesdames et messieurs. C'est quoi? Oh mec, t'imagines, on se prend un truc de gerbe. Ah ouais, non, mais là on est foutu par contre. T'imagines, en gros, il y a un boulet, les gars, qui te fait gerber. Et du coup, ça te lève et tu commences à gerber.
Oh, et en fait, le blème, c'est que vu qu'on est en stack, on va se gerber dessus et on va jamais s'arrêter de gerber. Et on peut pas aller genre dans la chaloupe ou à l'arrière pour... Si, c'est pas ça, on va où? Si, bah, il faudra se split, parce que si tu gerbes sur ton pote, il va gerber, et après il va te regerber dessus, tu vas gerber, etc. Ah oui, c'est infini, quoi. C'est infini. Mais surtout, ils vont voir le bruit de 4 mecs en train de gerber. Ils les ont niqués ou pas, les squelettes, là? Ouais. Y'a plus de son. Il les joue ou pas? Non, c'est bon, c'est bon, y'a plus les mecs. Ouais, il tirait au boulet de canon, quand même, depuis tout à l'heure. Et ils se la mettent, hein. Ça me fait bader là de les voir. C'est ça que j'aime avec la vie de pirate, c'est que tu sais jamais quelle aventure t'attend. Pourtant une guildette Senda, tu fais pas les navires squelettes, t'es d'accord ou pas? Mais par contre, ils sont sacrément confiants quand même, parce que mais normalement... C'est pas possible. Gros, tu fais ta quête et rien d'autre en fait. Mais ils ont un ping de fou. On a vu tellement de gens confiants ce soir, c'est incroyable. Squeezie, j'ai peur. Moi aussi j'ai peur, frérot. Le gars c'est une dinguerie aussi. Imagine notre cœur, comment il va battre quand Locke et Senda, ils vont dire « Levez-vous !» Squeezie, qu'est-ce qu'on fout là tous les deux? Imagine ton cœur comme il va battre vite, vite. Qu'est-ce qu'on fout là tous les deux? C'est ma vraie question. Je sais pas, frère. Qu'est-ce qu'on fout là? On devrait être sur Valo, nous. Et mais pourtant, oui, on est là. Les gars, j'ai pas les épaules. Voilà, je vous le dis. On est entre amis, non? On se dit les choses entre amis. J'ai pas les épaules. Je me chie dessus. Je me chie dessus aussi. Non, t'inquiète. Mais vous voyez, c'est ça qui est beau avec Sea of Thieves, c'est que là, on attend tous ensemble. Oh, ma chouette, plus de batterie. Oh là 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 là. On attend tous ensemble. Mais mon oncle. Ouais. Mais ils ont un ping énorme, frérot, je les vois full buggés moi aussi. C'est nous qui avons le ping énorme. Ouais, on a un ping de zinzin. C'est nous. Ah. Donc en fait c'est ça le blème, c'est que eux ils sont chez eux, frérot. Là on est en train de voler des Américains, des Brésiliens, ça je sais pas. Respire. Mais là on est en train de voler des Canadiens, je sais pas, tu vois, mais là. On est parti chercher l'eau là. On est parti aller dans les mers brésiliennes, frérot. Les gars, nous on traîne là où il y a les récompenses, c'est tout. Putain, le moment où la ça vraie va vie partir. Pirate. Mais les gars, vous savez ce que j'ai envie de vous dire? C'est qu'un jour, il faut qu'on prenne un vrai bateau tous les quatre. Faut qu'on aille en mer tous les quatre. Oh, putain. Les gars, faut vraiment qu'on aille en mer tous les quatre. Mais mec, je vous jure qu'il faut qu'on aille en mer tous les quatre. Mais pour de vrai, gros. Teams IRL. Non, moi, mec, j'ai trop peur de la mer, hein. Je rigole pas. Mais tout le monde. T'as la sophobe, un truc comme ça? Ouais. Mais c'est les fonds marins, t'as la sophobe. Mais être sur un bateau au milieu de la mer, je me chie dessus. Mais frérot, t'es un pirate ou t'es pas un pirate? Je suis pas du tout un pirate, frérot. D'accord, Je suis un pirate virtuel dans la vraie vie, je prends le métro et j'ai pas des bateaux. Je me suis chauffé, frérot. Y'a pas de résac, y'a pas de respawn dans la vraie vie. Le concept serait assez drôle. On prend un bateau un peu moisi, tu sais. On essaie de se doper à côté des autres bateaux. Mais oui. Et après, on saute à l'eau et on essaie d'aboutrer leur bateau. Mais oui. On a chacun une GoPro et tout, et on se met en position fœtale, si c'est genre caché derrière des caisses. Et comme ça, je me colle à toi, mais dans la vraie vie, excusez. Ce serait hilarant, les gars. Alors, ils ont arrêté de jouer de la musique, ils changent d'humeur, je crois. Allez, ils vont à Crux là, c'est leur deuxième île, je pense. Je les vois laguer. Bah, là, en fait, on a parti d'un cove, on est à côté du FDD, et c'est dans la trajectoire pour aller vers Crux. Fortress des damnés, c'est la bonne trajectoire? Ouais. Attends mec, il se parachute sur Forteresse des damnés, c'est quoi ça? Attends. C'est quoi ça? Non, attends, Non, je pense pas que c'est... Y'a pas de crâne, je le vois pas par la fenêtre là. Je le vois pas. Ouais mais tu sais vu qu'ils ont fait les navires squelettes? Non, tu penses que c'est... Non, ça serait trop parce que vraiment c'est des traqués s'ils font ça. C'est impossible. J'y crois pas. Expliquez les gars, c'est quoi? En gros, ce qui est en train de se passer, c'est que là, on est en train de se dire peut-être qu'ils vont activer le fort des damnés, donc là où on a ce qu'on vient de voler là, ouais. Et ils vont l'activer pour le faire, mec. C'est vraiment jouer avec le feu, c'est complètement malade. Après peut-être qu'ils sont tellement insouciants que vas-y tu vois. Après les gars en vrai je pense depuis un an il y a beaucoup moins de man qui s'infiltrent et tout, vu qu'il y a beaucoup moins de joueurs. Donc ça se trouve il y a eu des nouveaux joueurs entre temps qui sont jamais fait infiltrer et qui sont méga tu vois sereins. Mais c'est pour ça qu'il faut leur donner une bonne punition à eux, je pense. Vraiment leur donner une bonne leçon sur leur quête annuelle. Il y a rien de mieux les gars. Il y a des ressources. Pardon, fausse alerte. Les gars, il y a trop d'enjeux, on est tous en train de s'emballer. Bonne leçon, quel enfoiré, putain. Mais si. Ah, je me rappelle un jour, j'ai eu une discussion, tu sais, avec les gosses. Et toi, Dwag, t'étais pour, tu sais, genre vraiment, genre. De quoi, oula, t'en fais gaffe, parce que tu dis en live. T'es pour apprendre aux gosses, tu sais, genre en mode. De quoi? Non, je refuse tous. Hein? Hein? Vas-y, Dwag, non, je n'ai aucune relation avec des gosses. Je n'ai aucune relation avec des gosses, ok? Genre en mode. Si le gosse il perd, tu sais, dans un jeu vidéo.
c'est, ouais. Ou même dans un sport, t'es pour, tu vois, genre, qu'ils perdent et pour qu'ils apprennent. Bien sûr, bien sûr. Ah, pardon, oui, oui. Faut leur montrer la vraie vie. Faut pas que toute la vie soit scriptée à leur avantage. C'est exactement ce que t'as dit. Faut leur montrer la vraie vie. Bah, bien sûr. Ah, pardon, alors tu m'as fait peur. Tu sais, genre, t'as les parents, ils laissent gagner. Non, je croyais que tu étais au courant de mon activité secrète, mais. Arrête, oh, les gars, on est entre pirates. Bonjour Twitter, on vous embrasse. On est entre pirates, hein. Oh, le clip qui va partir hors contexte. Oh la gueule. Vos gueules. Ils sont crocs là ou pas? Ouais, ils sont crocs. J'ai encore rien fait, je vous jure. Non, j'ai pas vu signal. Bah, moi je vois l'île, hein, donc. Ok. Là, on est dessus. Les gars, désolé, mais changement de sujet. On parlera des gosses plus tard, Dwag. T'es chiant, mais ça c'est de ta faute, salaud. Et là en gros, il y a de l'éclair, on arrive dans la tempête, donc il y a très forte probabilité qu'on se lève. Ok. Genre comme ça, à cause des vagues, à cause des éclairs, etc. Du coup, préparez-vous, les gars, soyez au taquet. On se rallonge tout de suite. Ils sont RP, ouais. Captain, Ayap. Ok, ok. Cachez-vous. Comme prévu, pas de panique, mets-toi. Y'a un gars qui a chier, y'a un mec qui a chier. Attends, faut être dos, faut être face, dites vite. Faut être dos à la petite boîte. Dépêche. Nickel, vite. Merci les gars. Ok, préparez-vous les gars, ça pourrait apparaître à tout moment. Mais c'était quoi? C'était quoi? Mais il avait expliqué, il y avait un éclair, il a dit il y a 10 secondes. C'était vraiment sérieux. Mais t'inquiète pas, suis, c'est le moment où ça devient chaud là. Soyez attentifs les gars, c'est les moments où on se fait griller. Voilà, je vous le dis. Oh, Scoozie, tu me rajoutes pas un stress quand même là. Tais-toi. Comptez les propulses. Deux propulses. Non. Trois propulses. 4 propulses, y'a plus personne. Y'a plus personne. Ouais, y'a plus personne. Mais on peut pas bouger de façon parce qu'il y a la tempête, on va se prendre des coups d'éclair. Donc là, c'est la deuxième île. Après, il y en a une dernière, c'est ça? Ouais, là, c'est la dernière île de quête normale et après, c'est l'île avec les 3 Athénas. Cache-toi, oh putain. Ah, tu manges? Non, je prends mon fusil à pompe dans les mains. Comme ça, si je me relève, j'ai le fusil à pompe et prêt à niquer une épée. Respirez bien les gars, inspirez, expirez, je vous jure que ça commence et pourquoi, à me déranger. Pourquoi, hey les gars, pourquoi ils ont gros, raison. J'ai tout, je suis équipé de A à Z. Les gars, le chat me dit pourquoi on se cache pas dans les loot déjà déposés. Parce qu'on est pas des noobs. En fait, si jamais ils déplacent les loot, on est mort. Ouais, t'apparaît direct, c'est vrai. On est mort. Ouais, c'est vrai. Ça sent l'expérience. Heureusement que c'est le mec avec nous. Ça t'est déjà arrivé. Senda, dévoile pas toutes nos recettes, s'il te plaît. Ouais. Les questions, les gars, vous les posez à vous-même, y'a pas de soucis, mais on va pas vous répondre. On n'est pas là pour ça, nous on est là pour piller un max. Ah bah ouais, après demain, à cause de nous, y a 10 000 infiltrateurs qui vont copier toutes nos techniques. Bah là, les gars, si on réussit à les niquer eux, je peux dire que la traîne de l'infiltration, elle repart direct, hein, frérot, là, laisse tomber. Ouais, sauf qu'ils vont être très vite déçus, ils seront très vite... Mais là, vous vous rendez compte qu'on va parler de nous dans le monde entier, là, après ce qui va se passer. Ok, attention, y'a plein de... Les gars, là, on va faire des plateaux télé aux États-Unis. Mais là, les gars, tu sais, demain, les médias vont en parler, non mais c'est vrai. Demain, les gars, les gars, attention, il y a probablement un éclair quoi qui va pop. Et il y a des mecs qui vont venir. Donc il va vraiment falloir être solide. Ok, s'il te plaît, Dwag. Non, ça j'aime pas. Je vais être solide comme tout le monde. Mais non, parce que là tu t'es trompé. Donc je parle pour vraiment la, pour l'allonger, oui, promis. Oui, parce que je t'explique. Là, ce qui va se passer, on peut avoir un méga coup de malchance. Le mec ramène les loots. Oui. Parce que là, il y a beaucoup de loot sur l'île. L'éclair et vous les ramenez un par un. Et à ce moment-là, il y a l'éclair. Ouais. Et à ce moment-là, il y aura l'éclair. Et à ce moment-là, faudra être rapide comme l'éclair. Sache une chose, capitaine. Oh, sympa ça, Locke. Sache une chose, capitaine. Une fois, c'est une erreur. Une deuxième, c'est une bêtise. Et Dwagby ne fait jamais de bêtises. Ok, Dwagby. Allez, ça part. Préparez-vous, ça peut être à tout moment. Préparez-vous aussi à l'éclair. Mais man-toi, frérot. Non, mais lui, de j'ose même pas le regarder, je vous jure, je suis focus sur le moral. Il a 5 coffres. Ouais, il en manque 3. Là, comptez. Là, il manque encore 4 coffres de capitaine. Donc là, c'est les coffres golden. Donc là, 4 allers-retours encore, ça veut dire. Il manquera 3 plantes et 3 bouteilles. C'est ça, Senda? Comment? 3 plantes, 3 bouteilles? Ouais, en gros, ils vont récupérer les plans d'ici, je pense, mais ils vont peut-être rendre celles qu'ils ont là aussi. Donc voilà, il reste 9 allers-retours. 9 allers-retours à partir de maintenant. Oh putain, donc encore 8 fois un mec qui vient et qui se barre. Il traîne le mec. C'est 8 fois, ouais, c'est 8 fois de trop. Mais ils lui mettent bien, ça se voit, ils veulent faire une photo à la fin, mais ce qu'ils savent pas, c'est que sur la photo, il y aura plus aucun coffre. Parce qu'on aura tout pris. En tout cas, il y aura plus d'Athéna. Oh non, il a rajouté un aller-retour lui. Donc toujours 8 allers-retours normalement. Ouais.
Attends, mais mec, tu déterres pas des cristaux, non? Putain, il me fait flipper. Ah, peut-être qu'ils ont tué. Sur l'île. Ouais, peut-être qu'il a trouvé sur l'île, il a tué des mobs. Ouais, donc. Oh qui avait, t'as vu le coffre? T'as vu un coffre? Quel coffre? J'ai pas vu. Là, là, ça là! Ah, le multi-chest là? Mec, il nous rajoute tellement d'aller-retour, ce rat! Mais la quête, elle dure 20 000 ans. Enfin, il y a Vla et l'autre maintenant. Ça a changé. Mais non, il y a toujours eu tant de doudou, mec. C'est juste qu'ils prennent tout leur temps. Mais les gars, est-ce qu'on peut faire couler un galion avec des barils explosifs? Ce serait encore mieux. Genre, ils arrivent à l'avant-poste, on fait sauter le bateau. Attends. Et tout est dans l'eau? Et tout est dans l'eau? Oui, poule. Alors non, il y aura pas de baril, malheureusement. Il y a aucun baril. Ah, dommage. Alors en fait, c'est pour ça que je te dis que la solution numéro 1, c'est de prendre les 3 Athénaïens en sneaky. Et de se barrer. Les mettre dans la chaloupe et de se barrer et laisser 3 mecs. Ouais, un pour le reste. Pour le reste, lorsqu'ils sont à l'avant-poste, et là, on lave sur leur navire. C'est un pro total. On fait brûler le navire et on se passe les loots. Il y a un mec qui rend et les deux autres qui lavent. Ok. C'est pas mal. Échappe pas à mettre, échappe pas à mettre. Moi j'aime bien, rien que l'exfiltration là, ça me... Ouais. Ouais, l'exfiltration. Mais ouais. Juste la mission de qui, c'est qui exfiltre? C'est Senda. On est d'accord. Tu recorderas Senda? Ouais. Bah ça a déjà commencé, t'inquiète. Ok, est-ce que s'il a besoin de se faire... On est d'accord. Ah bah là t'as le rôle, ouais, t'as le rôle majeur. Mais les gars, ce soir, on est bénis. On a eu que des games de fou, genre. C'est incroyable. On dès, a mec, dès la première minute, hein, je me connecte, on est au contact d'un combat. On les défonce, ensuite il y a François, on le vole et quand même il nous prend quand même pour des héros alors qu'on l'a volé. Et ensuite il y a, eux quoi, c'est fou ce soir. Et il y a un baril sur la plage, je sais pas si, je l'ai pas vu en arrivant. Je sais pas s'ils veulent le prendre. Bah, je le vois là. Ah, je le vois, baril, je l'ai pas vu en arrivant. Bah j'espère qu'ils vont pas le prendre. Pourquoi? Bah c'est bof un baril, si jamais ils le mettent dans la cabine du capitaine. C'est bof, Je sais pas. Oh, ils tirent dedans, on est mort genre. Bah, c'est pas. Il met un screen avec le baril, mec. Non, le blème en fait du baril. Attends, imagine, écoutez. Imagine, ils prennent un screen, je sais pas, dans un angle de vue. Et on est dessus. On est sur la photo. Et ils mettent la photo, ils font. Attends, derrière la caisse là, c'est quoi? C'est vrai, ça, on a essayé mille fois. Et c'est tellement rare les gens qui font des screens, tu sais. Et on a essayé plusieurs fois et ça a jamais marché. Tu sais, ils le postent sur un forum, c'est genre dès qu'ils viennent de prendre la photo et dans les réponses il y a marqué frérot, il y a 3 gars allongés derrière la... Oh là là, le rêve. Et ouais, justement parce qu'au début, tu sais, en fait, on se moquait beaucoup des gens sur Reddit qui montraient tout leur loot. Ouais, tous les loots, Ouais, sur Reddit, t'avais beaucoup de gens qui montraient, ils mettaient tout leur loot sur une plage et nous on rêvait de trouver ces gens-là. Ouais, de la provoque, de la bonne provoque. Des invités quoi. Putain. Et ouais, on a jamais réussi, on en a trouvé un ou deux, mais on a jamais réussi à se mettre sur la photo, quoi. Ah, c'est trop chaud, frère. La bonne provoque. J'aurais trop aimé finir sur un screen. Ça aurait été... Mec, c'est vrai, je pense que c'est vraiment la consécration de... Ok, ils sont revenus, ils sont revenus. Mais je pense que tu peux pas faire mieux. Oh, des nouveaux coffres dorés. Ok, bien. Ok, deux d'un coup, Donc il n'y a plus de coffres dorés. Oh, miam. Mais tôt ou tard, ils vont poser à côté de nous, ils vont passer à notre côté, les gars. Non, c'est bon, normalement. C'est bon. Bah. En fait, ils vont faire leur arc de cercle. T'as vu, ils sont en train de faire un arc de cercle. Ah oui, ouais. Et ils mettront les Athénaïens au milieu. Regarde. Tu vois. Y a aucune chance qu'ils mettent quelque chose de notre côté là. Vu leur ergonomie. Ça monte l'encre. Messieurs. Ok, ouais. Là, attends, mais là, du coup, là, on se rapproche. On se rapproche de la troisième île. Là, faut être attentif. Faut être super attentif parce que si jamais ils ouvrent leur carte pour regarder l'île. Voilà. Faudra faire attention. Ok, échappe paramètre. Et il faudra de clipper le chat. Alors, il y a un autre truc aussi, et c'est pour ça qu'on est plusieurs. Vous voyez là, sur la table, la table du capitaine là. Ouais. Mm-hmm. Vous voyez, il y a la quête. Il y a la quête là, le petit papier avec le truc bleu qui brille au milieu. Ouais. Dès que ça disparaît, ça veut dire qu'ils ont déterré de l'intégralité des Athénas. Oh, belle info, ok. Voilà. Donc ils vont les ramener sur le bateau. Normalement. Okay. Sauf que des fois, on a eu des coups fourrés. Des mecs qui se barrent en chaloupe et des trucs chelous. Trop smart. Donc je vous le dis quand même, dès que c'est ça, il faudra qu'on commence à être au Faut être en alerte quoi. Ouais, ah ouais. Voilà. Genre smart, t'attendais, hein. Les mecs ils ont jamais ramené les coffres et en fait ils sont barrés avec une chaloupe de l'autre côté. Mais c'est trop smart. C'est ça, mais t'inquiète, on les a attrapés. Ah le bâtard. T'inquiète pas, on les a attrapés par le pot du calbar. Attends, par le calbar ou par la peau du cul? Parce que la peau du calbar, c'est pas possible. La peau du calbar et. Putain les gars, pitié, on y arrive. Pitié. Donc là c'est la dernière île hein. Attends, il y a un là il faut pas fail les gars, ok? Là, dernière ligne droite. Putain, c'est chaud qu'on ait pas un mec à la barre. Tu veux que j'aille?
Non, tu bouges pas, les gars, on peut rigoler un peu, on est bien. Ouais. On met un peu de. T'aimerais savoir si c'est loin ou pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec deux autres personnes. Putain, les gars. La prophétie 2.0. Oh, je me vois rendre un Athéna. Je me vois rendre un Athéna. Ça dépend, c'est random. Bah, tu sais, parfois c'est genre smuggler à l'autre bout. Smuggler, ça fait une grosse île? Ouais, mais normalement l'île Athéna, c'est toujours la grosse île. Ah ouais, c'est pas une petite? Ah non, toujours une énorme. Ah, c'est que dans les quêtes alors que c'est les petites? Non, dans les Guilded, c'est forcément Lone Cove Crux. Et après, pour les Athéna, c'est toujours une grosse île. Jamais de petite. Mais pour les Athéna classiques, avec un Athéna, ouais. Ça peut être une petite aussi. Ok, ouais, donc là c'est une grosse île, donc c'est méga chiant en fait. Ouais. Méga chiant. Mais surtout si c'est une île gigantesque, mec, bon. Ouais, c'est chiant. Ça dépend de l'île, quoi. Mais on a tout fait en ce moment. Mec, s'ils vont à 4 là, comme ils ont fait, je switch de pose. Hein. Bah, je pense que je vais mettre à la barre. La barre, il y a trop de visu à prendre. Ah, non, tu peux pas. Ah, faut que je me barre avec. Il faut que tu restes là, toi. Tous les coups, il faut que tu restes là. Moi là, s'il y a 4 propulses, frérot, je vais à la barre, ok? Mm-hmm. Et vous restez tous ici. Oula, ça penche là. Oulala. Alors tu verras que ton corps il se déplace tout doucement, donc ça c'est très chiant, mais. Ah ouais? Normalement c'est bon, on en est loin, toi. On en est loin. Ça penchouille. Ah ouais, allez, putain, c'est bien fait. Thieves Haven, c'est bon? Thieves Haven, ouais, on y est. Mais ouais, c'est pas bon? Si, c'est bah, ouais, ça peut être une. Mec, ils ont une manœuvre de rentrer dedans là. Oh putain. Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression, non? Bah, de toute façon, nous, on bouge pas. Il esquive à gauche, il esquive à gauche. Non, ils esquivent, ils partent. Ils esquivent, ouais, ils partent, je crois. Quoique, attends. Ils vont pas à l'intérieur de l'île? Pas pour le moment. Ah, quoique, attends, il veut grave. Attends, il va au grave, ouais, non. Faux salaire. J'espère que c'est là, j'en peux plus attendre. Attends, patience. Ah ouais, non, il s'arrête là. Y'a pas une erreur, s'il vous plaît. C'est là. Ok, messieurs, full concentration, ok? C'est un truc que vous pouvez faire que tous les 2 ans, ok? Donc, soyez au top de votre forme, les gars, ok? Ok. Faut pas de choquer. J'ai pas à mettre. Allez, c'est nous les meilleurs, on peut le faire. Allez, les gars. Ok. Dwag, est-ce que je peux te demander de garder les yeux rivés sur la carte? Totalement. Oui, totalement, je peux. Et dès que ça disparaît, tu me fais une alerte, s'il te plaît. Ça marche. Sendas, t'en as vu quelqu'un? Les gars, quand ça disparaît, on fait quoi, juste? Rien. Ok. Rien. Ok. Là, vraiment, les gars, vous attendez les ordres de Sendai, moi. Je suis désolé, je veux faire les tyrans, mais... Non, et mon alerte aussi, mon alerte sur son nom. Ouais, t'en as l'air de quête, si elle disparaît. Genre là, mon rôle, il est important, en gros. C'est giga important, parce que si tu nous dis que la quête, elle disparaît, ça veut dire qu'ils ont tout déterré, tu vois. Et que ça arrive, quoi. Ok. Ouais. Et voilà. Mais vu qu'on n'est pas encore cramé en vrai, on a juste à attendre tranquille. Et là, je pourrais pas bouger, frérot. Ah, à la barre. Si vous avez une frérot, c'est trop risqué. Il y a les alcoves en haut là. Ouais. Après, ça dépend, faut que tout le monde bouge. Attends, mais là. Après, c'est la nuit là. Attends. Mais pourquoi il a une. Dans ses mains, il avait une quête de crâne. Hein? Quoi? Attends, je vais regarder. Attends. Mec, t'imagines, il faut une bouteille. C'est quoi une bouteille? Bouteille, c'est des quêtes que tu lootes comme ça dans le random et. Bah non, parce qu'ils auraient pu faire le fort et ils l'ont pas fait. Après, un fort c'est long. Non, le fort et tu peux pas. En fait, faut réunir 6 couleurs de lanterne, 9 je crois même. C'est méga chiant. Et ils les ont pas les couleurs de lanterne. J'en ai un à l'eau moi. Peut-être 2. Rien à signaler. Allô sur le papier, rien à signaler. Putain, mais là où ils se sont mis, c'est un truc de ouf, les gars. Là, le papier, c'est dans 3-4 minutes, mec. Ok, ok. J'ai les yeux rivés dessus. Je m'occupe que de ça. Bah, échappe paramètre. Et échappe paramètre. Vous m'avez donné une mission importante parce que je suis important. Je vais vous faire honneur. Dwagby, t'es le boss. Je vais pas me louper. J'ai un truc bizarre, les gars, mais j'ai envie de sonner cette cloche depuis le début. Quoi. Non. Donc pas si, toi. Donc pas si toi. Si tout se passe bien, je sonnerai la cloche pour célébrer. Oui, c'est censé jamais arriver, hein. Tu vois, elle penche légèrement. T'as vraiment envie de mettre un petit coup de F dessus, tu vois. En vrai. T'sais, vite fait. T'sais, juste ça va. Sting.
Eh, tu sais que tu nous as déjà foiré une quête Athéna il y a très longtemps et j'ai pas, et je l'ai toujours à travers de la gorge, donc merci. Moi? Ouais. C'était, j'ai fait quoi? T'as tiré dans le baril. Oui. Ah, la fois où j'ai tiré dans le baril, c'était extraordinaire. Quel souvenir hors du commun. Quel souvenir de merde. Quel souvenir hors du commun. Il est toujours vénère de ça. Ça va des pop là, ça va des pop. Échappe à remettre. Mec, si c'est des squelettes, Senda, ils auraient tiré sur des squelettes là, j'entends rien là. Non mais dis pas, il est parti pisser Senda. Senda, il est là. Senda. Ouais, excuse-moi, je te mute. Du coup, je disais, faut attendre qu'il ramène au moins un coffre, histoire qu'on ait confirmation. Mais mec, c'est sûr, c'est une guilded, on est d'accord, il y a pas. Ah non, mais c'est bon. Non mais c'est guilded, il y a pas de doute, mais en fait, vu que c'est, je pense que c'est la nouvelle quête et je sais pas s'il y a eu des changements, tu vois. J'ai en train de chercher sur internet là, mais j'ai rien vu de changer. Donc peut-être qu'ils font une bouteille, tu vois. Il y a bon, ce serait des malades mentaux, mais il y a un mec sur le pont. Il est à l'eau. Mec, j'entends même pas quand il saute à l'eau, c'est horrible. Oh, il y a un tir, il y a des tirs. Ah ouais, c'est des barils. Ah. Non, ça c'est. Bah, du coup, ouais, c'est squelette, 100%. Ouais, ils font des squelettes. Mais alors, là, mais ça, la nouvelle guilde, c'est ça. Donc, ouais, en fait, ils ont fait marchand, ils ont fait collectionneur, ah, ouais, et maintenant ils font squelette. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, c'est pas l'île encore. C'est pas l'île, les gars. Fausse alerte. Ok, du coup, il faut une île, donc celle-ci, et une autre, à mon avis, pour les squelettes. Du coup, il y a deux îles de squelettes à faire. Deux? Putain. Bah, je pense, hein. Parce qu'avant, il y avait double crâne. Hey, les gars, je dois me faire un thé, les gars. Mec, hurle dans le casque, hurle-moi dessus, j'arrête de pisser, je m'en vais. Par contre, tu fake, je te mets plus jamais combien de ma vie. Il veut pas se lever les dents. Les gars, on va le fake, vous êtes d'accord avec moi? On est totalement d'accord. Hein. Mais les gars, il t'entend, là il t'entend. Non, il m'entend pas. Il est pas en casque. Non, il s'est barré, il s'est barré. Juste si je gueule, il arrête de pisser, il revient. Mais non, il est en casque sans fil, il t'entend. Crie maintenant. Vous êtes prêts? J'ai envie de hurler. Vous êtes prêts ou pas? Quand tu veux, mais je pense qu'il sait. 1, 2, 3. Personne n'a hurlé. J'ose pas. Oh, attends, il y a des gens. Si besoin, je peux hurler. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Il a le casque sur les oreilles ou pas, vous pensez? Mais il l'a, c'est sûr. Mais il a dit hurle, ça veut dire qu'il l'a pas sur les oreilles, il a dû le poser pas très loin de lui. Attends, tu sais quoi? Attends, je vais mettre une soundboard où j'hurle. Vas-y, attention, le chat, ça va hurler. Attends, ouais, baissez le son. Vas-y. Ça a bugué. Oh, double flop. Oh, contact! Bien joué. Frère, regarde par ici. Oh non, par contre, là, c'est pas une blague. Lox, nous entend, c'est pas une blague. Elle mange devant nous. Elle vient de poser un crâne sur la table. Lox! C'est bon. J'entends de l'eau derrière. Quelqu'un qui vient se poser dans l'eau derrière. Mais elle nous a regardé. Elle nous a regardé. Après, elle a pas regardé en bas. Donc, t'as comme le. Oh putain. Elle dépose les crânes sur la table. Putain, y a son pote. Reviens. Contact, deux personnes. Putain, c'est chi ou quoi? Oh non. Ça rapporte les récompenses. Oh putain, dès qu'il se retourne, mon cœur il s'arrête, frérot. On est peut-être que deux, hein. Faut être prêt à tout. Il est là, ce bâtard, il troll. Pauvre type. Bien sûr que je suis là, frérot, tu crois qu'on est où là? C'est bien. Personne n'a osé crier pour te ramener, tu te rends compte? Frérot, t'es sûr que c'est deux îles de squelettes? On bouge, le bateau bouge. Y'a un mec qui a pris un hit là sur le navire. Wesh! Le bateau bouge, le bateau tourne. Le bateau bouge. Mais il tourne le navire là. Mais y'a pas encore eu les crânes, du coup il manque encore les crânes, c'est sûr. Ouais, il manque encore une île de crâne, tu penses? Bah, je pense, hein. C'est pas normal, frérot. Attends. Mais c'est pas normal. Normalement, sur Lone Cove, tu fais les trois. Bah oui, mais justement, mais vu qu'on n'a pas eu de crânes qui sont venus depuis le départ, ça veut dire que sûrement dans la nouvelle quête, c'est genre ils ont décalé le spawn des squelettes, tu vois. Donc t'es en train de dire ils ont rajouté des îles, c'est tout? Bah je pense qu'ils ont rajouté deux îles pour deux trucs de crânes, ou au moins une île, tu vois. Peut-être deux. Ouais, enfin, parce qu'il y a que des crânes ici. Logique. Ouais, y'a que des crânes.
Ok. Échappe à Ahmed, ça sert à pas le faire déco par, par AFK en fait, parce que sinon dans le jeu tu te fais des décos. Squelette, ah, encore, il a sorti squelette. La carte. Zoomez à fond, zoomez à fond. Je vois rien. Chat, il nous faut des analystes financiers là. Chopez là. J'ai pas zoomé, je suis dégoûté. J'ai pas eu le temps, je suis dégoûté frérot. Non, mais t'as pas à zoomer, t'inquiète, y a, là y'a un mec de ton chat qui a pris un clip, il a screenshot. Et là il est sur Photoshop en train de zoomer et. Ah oui, je vois des gens dire analyse skin. Analysez les gars, analysez. Quête crâne 100% on me dit dans le chat. Oui, on sait que c'est quête crâne, mais c'est quelle île? Quelle île? Analyse en cours, on me dit. Ok, ok. Allez les analyses financières, on a besoin de vous là. C'est la c'est l'avant-dernière île les gars. C'est l'avant-dernière île 100%. Ok les gars, je l'ai, on me dit que c'est l'île dans l'océan. Non mais c'est bon, oui. Allez, 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 ça c'est je lui ai mis un ban d'ef. Non quand même pas, On me dit c'est l'île du singe squelette. Allez, sors le lit, sors, ok, ban d'ef. On me dit c'est quoi Koubé? Ban d'ef, lui aussi. Ok, ça y est, la pression elle arrive. Ça y est, c'est trop long là, ça y est. Non mais les gars, c'est toujours pareil, c'est un peu comme une année d'études. C'est un peu comme la scolarité. C'est long, on en chie, mais à la fin, on est ravi. Alors là non. Je me mets un ban d'ef. Ouais s'il te plaît, j'ai jamais eu autant d'adrénaline que j'ai jamais eu d'adrénaline. Qu'en contrôle de mathématiques, mais moi aussi frérot, c'est ouf. Hein? Hein? T'es un intello. Hein? Et de débile. Hein? 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 Ok, donc les gars, il reste une ou deux îles avant que tout parte en couille. Ils vont se prendre un caillou. Il reste deux îles. Ouah, le bateau il tombe. Il reste deux îles. Il reste une île de crâne, ce qu'ils viennent de faire, donc là ils doivent le faire x2. Et l'île des Athénas. Après les crânes, c'est 100% sûr. Attends, quoique, ils ont fait qu'un seul marchand, mec. Ah non, ils en ont fait deux, non, des marchands. Senda. Non, ils ont fait les deux marchands, c'est bon, ils fait les deux marchands. Ouais, parce que là il y a beaucoup de plantes là sur le navire, non? Ouais, ouais, même ils ont fait tous les coffres et tous les okay. Trucs. Ok, alors en fait. En fait, c'est quoi, ça te donne un certain nombre de chaque type de loot, c'est ça? En fait, t'as deux, ok? Deux collectionneurs, deux marchands et deux squelettes. Okay. C'est les trois factions qu'il y a dans le jeu. Donc ils les vont faire deux fois. Sauf que les squelettes, cette fois, avant, fallait les faire sur la même île que les deux autres. Mais cette fois, ils les ont splittés sur d'autres îles. Juste pour rendre un petit peu plus difficile la guildade. Donc il reste un squelette et c'est normal, après, c'est les coffres. Bobby, t'es là? Ouais, j'ai paramètre. Ok. Le robot. Frère, je suis traumatisé, je n'arrête pas de le faire. Ah, je reste concentré, moi j'attends juste le moment parce que là. Si je déco avant la fin, je pense que je meurs IRL. Non, frérot, moi pas de malheur, pas maintenant, pas après ça. J'éclate tout, frérot. J'éclate absolument tout ce qui passe. Les gens me disent c'est Crooks, mais non, on vient de dépasser Crooks, chat. Comment tu sais? Je sais pas, le chat me dit c'est Crooks. Comment tu viens de dépasser Crooks? Tu l'as vu l'île Crooks? Bah, je crois qu'il y a eu un. Il n'y a pas eu l'anime Crooks, non? Non. Bah alors on va là-bas. Attends, mais Senda, tu l'as eu l'anime Crooks? J'ai pas eu moi. J'ai pas les animes moi de base. Moi j'ai mis les animes et minimisé, tu sais. Ah non, moi j'ai rien du tout. Et du coup, quand ils sont minimisés, tu les as une fois sur deux. Mais t'es sûr que t'as eu le Crooks solo? Bah Crooks, on était depuis on était tout à l'heure à Crooks. Après on est reparti. Non, là on était à Steve's Haven. Oui, mais justement on a fait Crooks, après on a fait Steve's Haven. Et Senda, je trouve qu'ils l'ont fait particulièrement vite. Ah oui? Ouais. Steve's Haven, ça me fout un petit coup de pression parce que Après Steve's Haven, en fait, à mon avis, alors si c'est comme je le pense, qu'en fait avant il y avait, je crois que quand la quête a été refaite sur la bêta, en fait, toutes les vagues de squelettes, il y a des barils. Last before the funny chest, Captain. The funny
Funny Chest. Oh, le mème de Zinzin. C'est quoi Funny Chest, frérot? Le Funny Chest, c'est le coffre Athéna. C'est le Athéna. C'est un mème en Amérique. Ah ouais? Ouais, ils appellent ça le Funny Chest. Il a dit yes. Yeah. Donc c'est une île et un... Mais attends, genre il répond à nos questions en temps réel. C'est quoi ça? Attends, mais ça se trouve il stream hack, hein? Non. Alors on a déjà eu des guildes qui stream hack. Mais surtout en plus, même si des Américains, ça change rien. Ouais. Mecs, t'as des mecs vraiment, même s'ils sont, je sais pas, des Allemands, des Espagnols, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Ils checkent tous les streams, mec. Non, moi ils s'en foutent. Non, tu penses qu'ils. Non. Ah, mais il y a moyen. C'est arrivé, frérot, on a déjà eu. Ça se trouve, depuis le début, ils savent qu'on est là, ils se paient notre tête. Ouais, et si c'est le cas, c'est la ruine totale. Ça, par contre, c'est effrayant, si c'est le cas. Non. Parce qu'on peut rien faire. C'est la méga gâche. Non. Ça, ce serait la chute la plus terrible. Un régal pour les viewers, mais une bombe pour nous. Ah non, même les viewers, ils vont péter un câble. Non, les viewers, ça leur fera toujours plaisir de nous voir, nous faire baiser notre gueule. Discovery Rage. Là, les viewers, ils veulent qu'une seule chose, frérot, c'est qu'on chape les trois coffres. Je le dis. Vraiment. Les viewers, ils vont être méga déçus si on n'y arrive pas, je le dis. Hein. Vraiment. En fait, parce que le viewer, il subit. Comme nous. Ton AFK derrière une armoire. Ouais. Pendant 2h30. Et tout ce qu'il veut, c'est de voir comment ça va se finir. C'est pour ça que c'est les meilleurs streams, parce que tu fous rien pendant 3h. Et d'un coup, en 5 minutes, c'est genre. Endorphine. Mais comme t'as pas ressenti, comme t'as pas senti d'endorphine depuis 3 heures, c'est un shot phénoménal là, au bout de 3 heures. Ouais. Une. Deux. Recouche-toi. Oula. Et je recale. Il y en a un qui bouge là en plus. Qui bouge? C'est qui? C'est lequel? Recalez-vous là, tout le monde, recalez-vous. Attends, il manque le quatrième frère. Attends deux secondes. Recalez-vous. Pardon. Là, ce serait le bon moment de tenter un volant. Ils sont tous partis là? Je sais pas, j'en ai deux sûr. Oh, des ombres, je vois des ombres sur le bateau. C'est peut-être juste. C'était peut-être juste la voile. Les ombres, ouais, c'est la voile. Senda, je fais quoi? Je suis en un volant? Attends, merci. Non. Attends. Franchement, les gars. Je pense que le risque n'en vaut pas le. On me. Ah, c'est ce qu'il a trouvé les squelettes. Quand il parle. En vrai, go. S'il a dit on me, ça veut dire que tous ses potes vont aller chercher le. Non, tu mens. Si, c'est sûr. Mais ça vite. C'est bon. Ouais, c'est bon. Là, on a un visu de zinzin. Okay. On a pris une pause de fou. Hein. Ok, on a les infos. Non, on a. Maintenant, il y a une tempête et tout. Maintenant, je t'explique. Il y a une tempête ou un truc. J'ai un TF4. Je te le dis. Quand t'as TF4, ton perso il disparaît, hein, Senna. Ouais. Direct ou tu sais, il se lève pendant un moment. T'as un léger délai de genre une ou deux secondes. Et après tu disparais complètement. Mais je reste furtif pendant ce délai? Ça je sais pas, je crois que tu te lèves. Ouais, je crois que je me lève, hein. Ouais. Pour ça que mec, Alt F4... Parce que là, y'a pas de tempête en vue, frérot, là. Hein. Ah si, elle est à droite. Oh mon dieu. S'il voit la tempête, je suis foutu, frérot. Mais elle revient. Bah non, elle est assez loin, la tempête, en vrai. Et on est nord-ouest, on est sur quelle île, là, Senna? Je crois. Discovery Ridge, non? Ouais. Normalement, c'est ça, ouais. Discovery. Avec la chute d'eau et tout, ouais, c'est ça. Et. Chat, c'était quoi l'île? Putain, les gars, j'ai. Discovery, vous êtes sûr? Donc, nord-ouest. Là, on regarde de... nord-ouest. Regarde l'île pour voir, Locke. Comment ça l'île? Que je vois à peu près. Pour moi, c'est Discovery. Pour moi, c'est Discovery, ça. Ok, donc Discovery. Ok, les gars, la prochaine île, c'est les Athéna. Nord-ouest. Je regarde nord-ouest, là. Attends, je regarde Sea of Thieves map. Non, je suis pas décalé. Je regarde ce qu'il y a à droite. Si à droite, c'est trop risqué, je reviens. C'est où Discovery? C'est en bas à gauche? C'est où? En bas à gauche, oui. Vraiment tout en bas à gauche. Mais vraiment tout en bas à gauche, quoi. Ouais. Et du coup, tu penses que l'île sera où? Genre dans cette zone-là aussi? Bah non, ça peut être n'importe où. Bah après, ça peut être toutes les grosses îles, mais pas Thieves Haven et pas Discovery Ridge, je pense. Il y a de grandes chances que ce soit Smuggler, en vrai. Smuggler, Shipwreck, Snake. Smuggler, c'est où? C'est en bas? Smuggler, c'est tout en haut, mec. En haut à gauche.
Ok, donc ça, ça va. Contact, faites du mouvement. Je suis prêt que c'est vers le milieu à droite. Ça dépose des crânes, ça dépose des crânes. Des équivalents de crânes. Ouais, ça revient à balle, ça revient à balle. Ok. Je vois de moins en moins la carte sur la table, même si j'ai encore un bisou dessus. Parce qu'il la cache avec des crânes, mais bon. Je vois encore. Ce qui nous permettra de savoir, sur la prochaine île, quand les Athéna seront des... Ils ont pas fini. Ils montent l'encre ? Ouais, j'entends. Ok. Là, faut regarder. Là, par contre, du coup, on est sûr à 100% que ça va être l'Athéna. Donc, faut trouver le bout de papier, là. Ah, mec, ils ont mis un crâne sur le papier, on voit plus si oui ou pas. Je le vois. Non, mais le papier dans leur main. Tu vois quand même le papier, frérot. Regardez la quête. Je le vois, vous inquiétez pas pour le papier, je m'occupe du papier. Et mais moi, tu sais que. Clipé, on l'a dans le papier. Attends, je regarde ton pauvre. Clipé. T'as clip. Clipé, zoomé, photoshopé. Allez-y, les gars, envoyez tout là. Allez. Tu l'as eu, t'as eu le papier. J'ai le papier. C'est une île avec trois trucs, je crois. Trois petits trucs. Genre un gros milieu et un à gauche et un à droite. Tout petit. Un gros milieu, un mini à gauche et un mini à droite. C'est Snake, 100%. C'est Snake ? Ouais, c'est Snake. Ok, Snake, est-ce que je bazarre la tempête, Snake ? Je sais pas aller où la tempête. Discovery. C'est bon. Oh putain, mais là où t'es, frère, toi, c'est. Je vous montre vite fait chat. Mais... Ouais, c'est action. Fais gaffe si tu as le tab. Quand tu reviens sur le jeu. Ouais, j'ai le tab pas longtemps, c'est juste pour montrer au chat. J'ai très peur parce que. Ok. Du coup, on le fait en full infi. Ah, mec, je veux en maxi infi. Ou je me démerde pour ramener le navire pas loin. Pour safe. Maxi infi. Ok. Max, tu te barres, tu rends les trois Athéna et moi j'attends aux avant-postes, ok ? Ok. On va. Moi, Squeezie et Doig, on est à l'avant-poste. Snake, c'est un sur chaque kill, on est d'accord ? Ouais. Chat, vous confirmez, c'est Snake ou pas ? T'as le clip ou pas, c'est là ? C'est Snake, mais je te fais confiance, je te fais confiance. C'est Snake. Attends. 100%. Attends, j'ai vu le clip. Je l'ai le clip. Allez, c'est Snake, à moi. C'est Snake, c'est Snake. Attends, je te dis. Ouais, c'est Snake, 100%, c'est Snake, c'est sûr. Snake ? Ouais, je te confirme. Et notre bateau, il est où ? Le nôtre, il est à Cannon Cove, je crois. Je regarde. En vrai, on est un peu loin. On est un peu loin ? Ouais, de Snake, on est quand même un peu loin. Combien de cases ? Ah, je pense 7 cases. C'est où Cannon ? Comment ? C'est où ? Cannon Cove ? Ouais. C'est. Tu vois le milieu de la carte, tu vas à gauche. C'est en dessous de Lone Cove, en fait. C'est à combien de temps dont on est là, l'île pour les Athéna ? C'est très close. Ouais, c'est pas super loin. Donc c'est quoi le plan ? Quel est le plan quand ils ramènent les trois Athéna dans la cabine ? Ça dépend où c'est. Ok, on y est, mesdames et messieurs, j'ai l'animation. Bienvenue à Plunder Valley. Vas-y, j'enlève ton pauvre lock au cas où. C'est pas là. Bon, on fait que passer. Y'a un mec dans la pièce, les gars, vous relevez pas. Snake, on arrive ! Ah ouais, regarde, il le pose bien pour son screen, regarde. Il range tout. Lui, c'est le mec qui range. Regarde, il range pour le screen, il essaie d'aligner parfaitement. Tu sais ce qui se rigolerie ? Tu sais ce qui se rigolerie, c'est qu'au moment où ils prennent leur screen, on se lève et tu nous vois sauter et tirer sur le screen. Ce serait fou. Tu sais, on sort les armes. Ouais, je suis sniper, les gars, j'aime pas. T'as dit quoi ? Y'a un mec, là, la meuf, la mamie là, c'est sniper, ok ? Et donc ? Bah pour moi, c'est la mamie qu'il faut descendre en premier. Ah non, regardez, wait, I have a quest here. Oh non. Non, mais il se fout de la gueule de qui, lui ? Non. Pas non, fou. Non, mec, non, ça y est. C'est normal, ça. Ah, mec, ça y est, là, les sentiments de Streamax, c'est terrible. Les gars, non, on est Streamax. Non ! Il a un couteau ! Quoi ? Non, il a sorti l'épée partout ! Putain ! J'ai tiré ! Je suis mort. Non ! Release. Bouge pas. T'inquiète. Reviens avec la navire. Non ! Pourquoi j'ai pas osé me lever avant ? Locke, faut que tu nous colles tout. Je sais. On ramène le bateau direct, hein. Oh putain de merde. C'est pas fini, les gars, restez focus. Les gars, c'est pas fini. Senda, reprend le contrôle, t'es avec nous. Les gars, la vraie bataille commence maintenant. Restez motivés. Allez. Mais comment il nous a trouvés, ouais ? Je sais pas, il a eu un feeling, ce bâtard. J'ai envie des crânes noirs, mon frère. Tu
pense qu'il streamhack. Moi je pense qu'il streamhack. J'ai hésité. J'aurais dû. Mets-toi en full cam. En full cam. Je descends les voiles. Changez le titre. Changer la catégorie aussi, mettez en discussion. Non, t'as ça illégal. Oui, mettez-moi en discussion, vite. En talking, c'est ok. Ouais, salut les gars, vous avez mangé quoi hier? J'ai mangé les pommes. Les pommes, c'est trop bon. Salut, on va discuter. Mec, ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'île, ok? Ne prononcez pas les. Tu sais, genre les mots-clés, les noms, etc. Ah oui, on connaît l'île. Oui, et c'est pour ça que c'était important, excusez. Mais okay. Maintenant, ne prononcez pas les noms des îles, etc. Parce qu'en fait, dites rien. Mettez même en mobani l'île et tout, les modos. Ok, allez, on lève l'ancre. Parlez d'autre chose, les gars, dans le chat. Racontez vos vies. Ouais, dans le chat, racontez vos vies. Racontez des trucs. Vraiment qu'on va sur autre chose. Je me mets en full screen aussi en mode je talk. Bah, franchement, ouais, parce que là, dans la catégorie. Ok. Ok les modos, mettez-moi en just chatting et on est en train de parler avec le chat. En gros je t'explique. Je pense pas qu'il streamhack. Mais en fait le blème c'est quand tu trouves des gens cachés sur Twitch. Ouais, ils ouvrent le stream. Ouais, là ils ouvrent Twitch, ouais, là c'est sûr. Ok. Attends, je vais juste regarder si je suis bien en just chatting. Si vous stationnez, s'il vous plaît les gars, allez parquer là-bas, je vous en supplie. On y va, on est en train de faire ça. Senda, t'es où Senda? Dis-moi juste. Non. T'inquiète, je suis juste les cases. Ok, je suis à l'endroit, normalement je suis à 6 cases de toi. Putain les gars. Là je vais bien nous placer. Tu drop chat, ça va le faire, faut y croire. Parlez trucs dans le chat, baité. Eh, quelle journée de fou. Eh les gars. Eh, salut le live, je suis trop content de lancer mon live. Vous avez kiffé votre semaine? Salut Squeezie. Salut, ça va ou quoi Doag? Bah ça va, ouais, semaine compliquée en vrai de vrai, semaine compliquée. Mais content parce que le week-end arrive et voilà, le week-end c'est toujours sympa. Mec, mon titre c'est Gang Beast avec les pruneaux. Attends, moi c'est quoi? Attends. Oh mec. Moi, attends, Locke, tu peux me dire, genre encodé, où est-ce que t'es? Ou tu me l'écris? Que je sache, parce que là je vois rien. En fait, je vois pas de navire pour le moment. Oui, moi j'ai mis on discute blabla, j'ai changé le titre, les gars. Ok. Pas grave, t'inquiète. Je suis à PV. PV. Désolé chat, je sais que c'est relou pour vous, mais on est obligé d'être undercover chat. Parce que là, comme ils ont vu qu'on était caché, en gros l'histoire c'est qu'ils vont lancer Twitch pour trouver les streamers qui les streamhack et voir leur POV en fait. Ouais, parce qu'en fait c'est vraiment connu comme un truc de streamer. Par contre les gars, ils sont en train de chercher partout. Ouais, voilà. Mais t'es là quoi. Je suis bien. T'es bien. Ok. L'avantage c'est qu'on sait que c'est pas des Français vu qu'ils ont un ping stratosphérique. Ça on le sait. Du coup là on fait quoi? C'est quoi le plan? On se pose pas loin, on essaye de rien. Tu vas sur le serpent frérot et tu me roules. Voilà. Mais tu penses pas qu'il... Tu postes deux réseaux sociaux sur S. Ouais. Okay. Et tu restes dispo... Chat, le son, y a pas besoin de le couper. En fait, on veut juste sortir de la catégorie Sea of Thieves. Ils iront jamais dans la catégorie discussion, cliquez là et sound. Ils peuvent pas savoir. Frérot, ils sont bad, les gars. Ouais, là, ils sont bad. Là, ils sont méga bad. Bah, c'est sûr. Là, c'est la panique absolue. Mais les gars, c'est pas fini. On va revenir. On va frapper fort. Ils iront pas. En fait, on est sorti de la catégorie du jeu, mais du coup, on a plus le droit de vous montrer le jeu, chat. On est full chill. Donc ça sert à rien de couper le son, ils sont probablement... En fait c'est simple, soit ils ont eu le temps de trouver nos lives avant qu'on ait le réflexe de changer de catégorie et on est mort. Mais comment le mec a eu l'idée de venir mettre des coups de couteau? Soit là quoi. On vient de sauver l'opération les gars, vous en savez. Non mais frérot là par contre si on est cramé on est finito hein. Je suis dégoûté. Comment dingue. T'es à combien frérot? Là je suis à toujours 6 cases, en fait je me suis bah j'ai refait le tour de l'île quoi, je suis bien passé. Vas-y les voiles et tout, on est comment là? Vas-y les voiles, on a le vent à contre-courant, c'est horrible. PV bouge pas. Okay. PV, propulse, bouge pas. On doit mettre les voies à droite. Ouais, voilà, droite. Vraiment là, on va rush de fou, mais genre vraiment de malade. Je vais vous drop à snake, vous deux, et je vais me placer. Ok. Ouais, t'as dit le mot. Ok, c'est qu'on a entendu. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, je suis d'accord avec Kek. Ouais, on va les rec. Dans la cale. Sans deck. Dans la cale. Allez, on va dans la cale, faut pas qu'on prenne l'aggro.
Ah, on l'a déjà pris. Bon, bah, plus qu'à prier pour que on perde l'agro. Vous êtes ta pote, Squeezie. Balek, balek, balek. Ah, ouais, c'est fine. Juste là, va falloir tracer quoi. Y'a pas le time. En vrai, tu veux pas retenter d'un fil ? On se voit. Je sais pas, mais en fait, le truc c'est que je sais pas combien de temps ce qu'ils vont rester, tu vois, poster. Bah là, ils vont pas tarder à bouger sur. Bah ouais. Oh, attends, la dinguerie. Idée de fou, ok ? Vas-y. Squeeze et Dog, je vous dépose sur l'île. Locke, faudra que tu calls la pause. Ok. De quand ils arrivent, etc. À ce moment-là, Squeeze et Dog, vous partez ensemble loin dans la mer. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arriver à l'arrêt du navire. Locke, il va drop la chaloupe, vous allez monter dessus et vous allez vous redock pour vous réinfi. T'es un malade mental, frérot. Ah, mais gros. C'est possible, Locke. Dans un film d'action. J'ai rien compris, ton plan, il est. Ok, Tom Cruise. Ah, mais gros. Tu vas redescendre un petit peu, s'il te plaît. Mais bon, tu veux faire quoi sinon? Tu veux faire quoi? Parce qu'en fait, bah, si moi, on... je dis, en fait... tu vas sur S, c'est bon. Mais en fait, si je mets. Si... En fait, je veux bien mettre Squeeze et Doigt dessus. Le problème, c'est qu'il y a tellement de spawns de mobs, ils vont se faire arracher. Sur l'île? Ah oui, oui, non, mais en fait, les mobs. Le problème, je t'explique. Il voit ton gal. Il est près de S. Frérot, c'est foutu. Ah ouais? Ils vont jamais déterre. Non, mais de toute façon, en fait, moi, je vais. Là, tu vois, là, je vais les drop vite et après, je me casse. Ah merde, attends, je vais réparer. Là on vient de passer le R. Vas-y, écope Doc, s'il te plaît. Moi je suis PD, bouge pas. Mais en fait c'est fine parce que là je vous vois au loin. Ok. Bon mec, il faut qu'on se décide très vite. Mais sur l'île, les mobs ils nous aggro même si on est dans l'eau à proximité. Sinon mec, on fait comme old school. On fait, excusez-moi. Si vas-y, on vas-y. Fait comme old school, on déchire, on fait un... C'est un assaut et après on se planque Ah oui, genre tu veux les tuer une fois et ensuite on se planque. Ouais, mais non, ouais, parce qu'ils ils vont checker tout le bateau. Ou alors faut que tu nous montres une cachette genre stratosphérique. Y'en a. On était si proche. Mais le blème, c'est que vous êtes pas entraîné pour celle-là. C'est pareil, c'est comme ça. Bah, viens, on s'entraîne maintenant sur le chemin. Elle est où? C'est où? Tu pourras pas, frérot. Je te jure, tu pourras. Mais pourquoi? En vrai, le volant, c'est pas mauvais, mais. Le volant, toi, ils te voient toujours pas là? Ah non, mais t'inquiète pas, j'aurais hurlé avant. T'as dit quoi? Tu m'aurais entendu crier sa grand-mère. Ouais, vas-y. Je suis toujours PV, hein. Ouais, je te vois au loin, là. On vous voit à droite, en fait, vous bougez pas depuis tout à l'heure. Mais nous, on arrive vraiment pas loin de Snake, là. On est une case, même pas. Et là, du coup, il nous voit, c'est sûr qu'il nous voit. Donc là, attends, j'ouvre vite fait la catégorie. Et je dis une connerie, mais... Désolé à tout le chat, les gars, vous comprenez que c'est très délicat et le problème c'est qu'on est très. Il faut vraiment faire ça dans les règles, sinon. Bah en fait, c'est trop facile de nous griller parce que. Y a et c'est quoi là, si je mets le jeu alors que je suis en Just All King, je me fais ban Twitch. Mais non. Ouais. Mais non, arrête. Si tu le laisses pendant une heure, oui, mais pas 5 minutes, tu vois, ils sont pas. Faut pas à ce point-là. Après, ils veulent pas nous laisser. La catégorie, en soi, ils ont pas de check, hein. Même si check, vas-y, on laisse. Si tu veux, on met le jeu en. En just chatting, vas-y, on s'en bat les couilles. Vas-y, on se fait peut-être stream hack, c'est pas grave, non? Ok, là, ils nous trouveront pas. Ils nous trouveront pas, frérot. Juste, mets pas et sauter dans ton titre, quoi. Non, moi j'ai marqué on discute blabla. Après, s'ils vont dans just chatting et qu'ils voient les minias de tous les lives, ils verront une minia où il y a un énorme sea of Thieves. Ouais, mais t'es combien tième en Jessica? Un mec sur un bateau. Attends, je sais pas combien. Dans le monde, t'es combien tième? Attends. De top 5, hein. Attends, parce que si t'es premier dans le monde, frérot, c'est pas grave. Mais non. Je sais pas, je suis en chaîne en français, je sais pas. Attends, regarde. De top 5, je pense. T'es premier. Non, oh, c'est pas un jeu. T'es deuxième. Ok. T'es deuxième. En vrai, ça se tente, vas-y, en restant Just Chatting. Oh merde. Je remonte alors? Ouais, bah vas-y. Okay. Bon, moi j'ai déjà remonté. Rentrer dans mon canon. Ok. Oh, dans ton canon? Là, celui-là là? Ok, moi les gars, j'ai un full miss. Vous cachez sur l'île, ok? Mais on va pas se faire tuer par des mobs? Non, vous les tuez, c'est fine. Ok. Vous les tuez et tout, ça va être tranquille. Vas-y, Doig, on est ensemble, frérot. Doig, on est ensemble, on est des boss, on laisse rien passer, allez. Ça me fait penser à la prophétie, ça avait démarré comme ça, nous deux sur une île. Ouais. Et après une explosion géante. Oh. Mec, j'ai un full miss, hein. J'ai un max tirer. Miss là. C'est quoi un miss? Y'a personne. Mais pourquoi on resterait sur l'île? Pourquoi nous on viendrait pas à la nage dans le bateau de nouveau? Parce qu'en fait, ils sont trop loin. Ouais.
Ah ok. Vas-y, viens, on se cache là, Doc. Pas besoin d'explorer, Doc. Viens, on se cache là. On se cache là. Non, mais. Il y a un squelette. En fait, Senna, il a raison. Les squelettes, ils vont couper la tête. Bah ouais, mais ça, en fait, c'est simple. Vous restez sur l'île pour l'instant, ok. Donc vous survivez, vous prenez de la bouffe si jamais vous perdez des PV, etc. Locke, il va arriver avec les mecs. Quand ils sont pas loin, vous vous barrez de l'île à la nage. Vous vous barrez et vous faites un tour pour essayer de les choper. Ok, y'a des caisses de mine ou pas sur l'île? Parce qu'on peut tenir avec. Y'en a par terre, y'en a plein partout, ouais, y'a plein de munitions à chaque fois. Ça démarre, on démarre. Ok. En gros, je t'explique. Je suis là dans 3 cases. Si t'as des trucs, si tu veux. Je m'en fous. Je suis là dans 3 cases, Sennar. Ok. Non, c'est bon, moi je me barre à côté. Mec, en vrai, tu laisses le navire genre se barrer et tu viens, va se freiner. Vous allez arriver d'où là? Attends, parce que de là. Tu veux juste le navire? En fait, je sais. Ah, au pire, tu prends une sirène, tu vois ce que je veux dire? Mais laisse le navire partir quoi. En fait, je sais pas d'où vous allez arriver en fait, attends. Doig, tu sais d'où ils arrivent là? Attends, sauf si tu veux arriver en mode bombardier? C'est la safe, tu vois, mais. Si, fantôme de Ramsey. Mais attends, mais fantôme de Ramsey, c'est vous? Y'a, franchement, mec, je te dis, y'a pas là, là, par là, je vois des blazes. Du coup, dis que sa mère, je laisse le navire au loin. C'est qui, fantôme de Ramsey? Oui, ça, je sais pas non plus. Viens, c'est notre chaloupe, Non, c'est notre truc. Je laisse le navire ou pas, Locke? Check où ils sont, mais attends, faut pas. Vas-y, franchement. Ok, vas-y, je lâche le navire. Ouais. Mais laisse se balader. Les gars, j'ai marché sur un serpent, est-ce que ça veut dire que je vais mourir ou pas? Non, c'est bon. Non, tu vas juste perdre beaucoup de PV. Ok. Mange. Soyez full HP, les gars. On arrive dans 3. Qu'est-ce que ça aussi? Qu'est-ce que ça aussi? Mais les gars, je sais pas d'où t'arrives en fait, ça le problème, Locke. Écoutez-moi. J'arrive de l'ouest. Ouest. J'en sais rien. C'est derrière moi. Ouais, t'arrives d'ouest, c'est ça. Doigby, s'il te plaît, faut trouver le bateau, Doigby. Les gars, j'arrive dans 3 minutes. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Sur l'île, il y a des squelettes qui vont attaquer. Ouest. Sur l'île, il y a un squelette qui vous tire dessus. Dans 3 minutes, on est foutu. L'opération est foutue. Donc on fait quoi? Donc il faut que vous trouviez un endroit, c'est souvent les cailloux en bordure, pour vous mettre en furtivité. Ok. Ok, mais le problème c'est que je ne sais pas d'où tu arrives. On va le trouver, mais si on va. Mettez-vous splitté sur l'île. Écoute, c'est simple. Et éparpillez-vous sur l'île. Ok. Là actuellement, vous voyez pas les pseudos. On se met au même endroit avec Doug ou pas? On se met au même endroit. Non. Il a dit éparpillez-vous. Venez vers moi. Vas-y, on vient vers toi. On s'en fout, non, on en dit chatting, calmez-vous. Attends, mais y'a un mec, y a un squelette avec un truc explosif dans la main. Doig, viens, arrête de tirer sur ces putains de squelettes, s'en bat les couilles. Viens avec moi. Doig, viens. Ok, Ink, je prends juste les balles. Ok, je suis à PV. Un caillou sur la plage ou sur l'herbe, les gars? Plage ou herbe? Non, pas sur la plage. Pourquoi? Ça change quoi? Il faut que tu sois genre sur les bordures. Les bordures de quoi? Ils sont en train de se rassurer, les bordures de l'île. Sur la plage, les squelettes ils vont venir t'enculer. Mais les bordures, c'est quoi que t'appelles bordure, frérot? C'est les bordures là, entre la mer et la plage. En fait, il faut que tu te dises qu'un bot ne peut pas accéder à cette zone. Mais je peux pas me mettre en furtivité dans l'eau. Non, moi je suis bordure. Je sais pas où t'es, Doig, du coup je peux pas te rejoindre. En haut, mais je suis pas sûr que c'est une bordure valable. Mais c'est pas ça, bordure. Regarde mon live vite fait. Deux minutes. Regarde mon live, Locke, vite. Ça c'est pas une bordure, Doig, viens avec moi. Ouais, je regarde le live. Là tu veux que j'aille où? Ah, pub. Y'a une sirène en plus. La sirène c'est. J'ai ouvert la stream de Squeeze, pub. Bah lâche un sub, Senda. Y'a une sirène, hein, les gars, là on est en plus. Les gars! 1 minute 30! 1 minute 30? Mais juste pas. Vite, on se cache où? Ok, attends, je vous brief! Personne ne bouge, viens avec moi! Je cherche une bordure! Viens avec moi! Les gars, si vous cachez pas maintenant, c'est foutu. Mais regarde mon live, dis-moi, on se cache, sale con. J'arrive. Ok, c'est là, viens, Doig, viens. Là, regarde, viens, là, sur le caillou en bas, 100%. Fais gaffe quand tu tombes, parce que si jamais tu glitches, tu te fais TP. Ok, 100% ici, ils nous trouveront. Là où on est, c'est voilà, on se met là, clac, furtivité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, allez. Écoutez-moi, bravo, vous êtes cachés. Écoutez-moi bien, personne ne bouge tant que je ne dis pas de bouger. D'accord. Okay. Donc c'est à dire que tant qu'ils ont pas déterré les 3 Athénas, tant qu'ils ont même pas mis les 3 putains de coups de pelle, personne ne bouge. Mais t'arrives de ce côté de l'île ou de l'autre côté? Regarde, tu me vois? Bouge un peu ta caméra, tu vois. Tu vois son blaze, mec, tu vois son blaze. C'est Ruby. C'est que là au centre, de l'autre côté. Ah ok, on va devoir arriver. T'es déjà sur les mecs. Putain, je sais pas si on avait pas mieux. Mais un caillou comme ça, normalement, on va pas se faire aggro, les gars. Imagine c'est pas Snake. Bah techniquement le bot peut pas venir ici, ouais. C'est qui ça? C'est moi. C'est pas mal, non, ici. Il est en train de récupérer la confiance. Ah bah, si Senda il vient, c'est que c'est bon. Ok, c'est bon, nickel. Ok. Ils sont en train de s'entraîner, mec. C'est des tueurs, c'est des mercenaires. Oh là là, je stresse, hein. S'il passe devant nous, on est mort. Bah, non, on est pas mort, il y a encore moi. Il faut
Mec, c'est quoi les trucs, c'est quoi les trucs dans l'eau là? Merci Jason pour tes 5 subs. Ok les gars. Oh putain les fantômes. Bon ça va, après ils peuvent pas nous attaquer. Personne ne se fait tirer dessus là, personne. Waouh. Non. Non. Bah, cachez-vous si. Maintenant. Ah bah si. Les gars, cachez-vous maintenant. Vous avez non, encore bah, quelques secondes. Vous avez encore quelques secondes. Côté de là, ça se joue à 10 minutes. Mais ça va. Là, moi, je suis bien. Là où je suis bien. Là où je suis, c'est bien. Une minute max. On tient. Les fantômes nous ont lâchés. On vous voit. Putain, j'espère qu'ils m'ont pas vu. Senda, je peux me lever, manger un truc vite fait. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Si c'est le cas, je vais maîtriser, les gars. Si tu veux manger, tu dois venir sur mon caillou. Tu dois jumper direct sur mon caillou. Oh non. Et il y a une chance qu'ils te voient. Les infos sur la carte, les pirates, les gars, si c'est ça qui fait qu'on les a eu, putain, c'est incroyable. Mais c'est parce que le mec il a bougé sa carte. Putain, les bots qui gogolisent. Ok, je vois, on voit ton bateau. Ok. Non, les bots, ils s'y arrivent pas. Je crois que t'es passé, ouais. Oh putain. Ok, je peux revenir sur votre caillou, les gars, s'il faut. On s'en fout? Non, je crois pas, hein. Tu peux pas remonter. On vous l'avait dit que c'était pas fini. Donc je dois passer par l'eau en bas, putain. Préparez-vous les gars, préparez-vous. Attends. Squeeze, ne bouge pas. Tu restes là, tu bouges pas quoi qu'il arrive. Je bouge pas. Si jamais il y a un problème, on arrive avec Doug. S'il vous plaît, ne vous faites pas griller les gars. On est bien. Ne vous faites pas griller et tout se passera bien. Il déterre les trois. Je mets l'ancre, je garde le bateau, vous venez tous sur le bateau, on sécurise. Ok. Ah, en fait, le but c'est que vous montiez à bord du bateau, ok? Donc en fait, une fois qu'il déterre les trois et que je vous dis go, vous venez tous au bateau. Ok. Lequel? Le but leur. C'est de sécuriser le bateau. Oui, le leur. Ouais, on est d'accord. On voit un autre. Non, bah c'est par sécurité. T'as raison. Surtout moi je vais suivre Senda. Quand tu dis sécuriser le bateau, c'est on les nique quand ils essaient d'atteindre le bateau. C'est ça. Y'a une chaloupe sur l'île, t'as vu Senda ou pas? Oui, je la vois. Ok, ça c'est extraction plan B. Okay. Ça arrive sur vous les gars. Attends, non, on est bien. Trois sur vous, il est principal. Oui, on entend. Ça se fight. Bougez pas, les gars. Ouais, ça se fight. 4 sur l'île. Ça se fight, c'est ok. Ça se fight au-dessus de nous. Mais le problème, c'est que même pour aller sur le bateau, on va se prendre des balles de fort, Thomas Farride. Ouais, mais là, ça va être chaud, surtout. En fait, mec, on va se faire spotter par les. Oh, le squelette d'en haut, le squelette d'en haut. C'est bon. Les fantômes, c'est dangereux là. Mec, je pense qu'on les allume, hein. Mais y en a un sur l'île devant nous à gauche. Y en a un sur l'île devant nous à gauche. En fait, ils ont drop et. Allez. Locke, on attend les ordres. Locke, bouge pas. Hein. Les gars, on a fait. Hésitez à me mettre derrière, capitaine. Les gars, ça fait 1h30 qu'on attend ce moment, alors soyez à 100%. C'est maintenant. Même dans le chat, on a besoin de tout le monde. Hein. Mais gros, le fantôme, casse-toi le fantôme. Dites-vous qu'on est obligé de feinter sur Twitch et tout, là c'est sorti du jeu vidéo, là ça va vraiment beaucoup plus loin. C'est vraiment là, la prophétie 2.0. On est just chatting sur CC of Thieves, les gars. Là. On a jamais eu besoin de faire ça en 3 ans de streaming. Jamais. On a dû sortir de la catégorie pour pas se faire streamer, putain. On est dans l'illégalité auprès de Twitch pour justement réussir la mission. Allez les gars, quand on se barre par l'eau ou on court sur la plage? Moi je pense que ça va être tout droit, hein. En fait, tu fais tout droit au navire. Tu fais rien d'autre. Tout droit au navire, le but c'est destruction. Ouais, mais le problème c'est qu'en fait, si seulement on s'était caché beaucoup plus proche, putain. Non, mais t'inquiète, t'as le time. Parce qu'en fait, moi je suis l'encre. Donc moi je mets l'encre, moi je mets. Oh, ils sont sur la chaloupe, en face. Ils sont sur la chaloupe. Trois personnes. Mais du coup, ils vont peut-être faire une extraction chaloupe. Peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais, faut check, hein. Faut check, hein. Ça c'est rattrapable, t'inquiète. Il y en a un sur la plage, contact à nous, là, en train de faire des squelettes. Vous la voyez, votre chaloupe? Moi je vois une chaloupe sur l'île. On voit une chaloupe avec un gros à côté. Je vois un gros à côté. Ouais, pareil, bah je vois la même. Bah moi, c'est ça qu'on voit. Okay, mais par contre, j'ai pas vu trois mecs. Ils se battent. En face de l'autre, il y a deux mecs. Ok, je vois pas. Moi j'en vois un, c'était le pirate. Si vous voyez quelqu'un avec un coffre, vous hurlez, c'est simple. Échappe pas. Non, RAS. Non, ouais, des mobs, Senda. C'est normal? Non, mais en fait, c'est nos mobs de merde, de fantômes. Il va pas nous lâcher en fait. Mais c'est mob normal, c'est genre normal sur l'île. C'est pas une quête bidon ou un truc bizarre? Ça, je sais pas. Il est en train de rejoindre. Il a rejoint l'île principale, le mec qui était sur l'île secondaire. Ils sont trois sur l'île principale. Je vois celle en robe blanche, le pirate et le gros. Comment tu les vois? Je pense qu'il a fait. Ouais, robe blanche, ouais, parce qu'on a un point de vue plus élevé que toi. Robe blanche contact, en train de taper du fantôme sur la plage. Ouais. Ah ouais, je la vois. Ouais. Oh bordel. Il y a un mec qui tire depuis la chaloupe. J'allais mettre l'encre maintenant, je pense que c'est prenable.
Je sais pas, mais en fait, le problème c'est qu'il faut qu'il déterre, mec. Ouais, je sais. Laissez enfin, déterrer, mec. Attends qu'il déterre, les gars. Je sais que c'est stressant, mais c'est le moment où faut attendre. Personne avec un coffre, les gars? Vous voyez personne? Non, on a rien vu. On voit personne là, tout court. Mais je me demande s'ils ont pas vu notre sirène. Ouais, elle est derrière l'île. Hein. Un coffre! Ok. Ils le mettent à l'intérieur, c'est là. Oh putain. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Gucci, c'est-à-dire qu'il faut attendre les trois, Il n'y a plus qu'à attendre les deux autres. Ok, ça, je revois des gens sur la plage. Oh la musique. Ok, robe blanche de retour sur la plage. Il s'est pété la jambe le coup. Grave, il a sauté de tout le temps, rien à foutre. Mais ça prouve qu'il se sent en sécurité, c'est-à-dire qu'il sait pas qu'on est là. Ouais. Ça nous confirme pas, qu'il ne sait pas qu'on est là. Au contraire, qu'il est dans le rush, qu'il a peur. Bon, en tout cas, il craint pas d'être low life, quoi. Ça fight juste au-dessus de nous, là. Vraiment, juste au-dessus de nous, il y a un combat. Ouais, c'est au-dessus, ouais. Vous êtes dans la grotte? Non, on est sur l'autre côté de l'île. Oh, je vois les balles siffler, hein. Les balles sifflent autour de moi. Oh, mec, mais c'est la guerre en haut, hein. J'ai trop peur vu qu'ils font des sauts random qu'ils sautent par ici. Imagine, il envoie une bombe, il loupe son ennemi et la bombe atterrit sur toi. Attends, il tire sur nous là. Ouais. Attends. Mec, il y a full fantôme, full squelette au-dessus de nous. Je comprends pas deux fois la même erreur, hein. Si ça arrive sur nous, je tire direct. Wow. Non, fais rien. Contact, vraiment contact. Mec, il a deux doigts tirer le PNJ. Ok, c'est bon, elle farme à l'épée. J'en supplie, il faut être pas grillé. Tout va bien, on tire bon. Wouah. Allez. Mec, encore. Oh là là. Non, lâche-nous, casse-toi. Oh, c'est bon. Ok. Il y en a un autre à droite. Ok, c'est bon. Il y en a un autre à droite. Dans la plante, mais il est gros là-bas, c'est bon. Oh, lui. Ok. Wouah. Le bot lui a fait un jump bizarre. Putain, mais. Il fallait être juste là, quoi. Personne avec un coffre dans les mains? Non. On les voit pas, on sait pas où ils sont. J'envoie deux îles principales. Ok. Un mec sur le chat. Mais non, c'est un gars fake, les gars. C'est un gars fake. Moi j'envoie un sur la plage, deux sur la plage. Bah non, moi j'envoie deux face à moi, plage. Dans l'eau même. Pirate et robe blanche. Ils bougent. Et là, ils vont sur l'île de. Ils vont chez la chaloupe. Chaloupe récupérée. Hein? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a un mec dans la chaloupe. Il y a un mec à côté de la chaloupe qui se raconte. Mais non. Et bah, c'est ce que je vous dis. Ils sont pas partis avec et elle est pas récupérée. Non, mais attends. On est d'accord, il y a qu'une seule. On est d'accord, il y a qu'une seule chaloupe, on est d'accord. On parle de la même. Il y a bien un gars à l'intérieur. Là, il y a un gars dedans. Bah voilà, voilà. Ok, on s'en fout. Je donne les infos. Là, il s'est barré. Non, t'as dit il se barrait avec la chaloupe, frérot. Non, t'as dit chaloupe récupérée, ça veut dire il rame avec. Il s'est assis. J'en alerte niveau maximal. Ouais, je fais pas des trucs chelous comme ça. J'ai compris. Dis, il est dans la chaloupe. Dis pas, il récupère la chaloupe. Il n'est plus dans la chaloupe, il est sur la petite île. Je fais une péter la gueule. J'ai envie de réinfi là qu'on bouge. Ouais, j'ai envie aussi. Mais Attends. Il nous faut un timing. Non, là, il y a un mec sur l'île en face, donc c'est mort. Il faut qu'il déterre, mec. Il revient à la chaloupe. Mais il galère un peu, hein. Il cherche, je crois. Hein. T'as Athéna là, dans le navire devant toi, Locke. Il revient sur l'île principale. Il revient sur l'île, ouais. Ok. Mec, y'a encore les mains. Je suis vraiment chaud pour qu'on bouge là. Mais. Foot, mec. T'avais combien de coffres? Un ou deux? Un. Qu'est-ce qu'ils foutent, frérot? Je te jure, qu'est-ce qu'ils foutent? Il galère à le trouver, mec, sur Snake! On rien fait ou quoi? Non. Non, laissez les trop risqué, trop risqué, ils doivent déterrer. On rien fait quand ils ont déterré le deuxième, minimum. Mais non, il faut les trois, les gars. C'est quoi ce bruit? T'arrives à voir mon drapeau ou pas? Non, on voit rien, mec, on voit rien. Il sera pas niveau 5 quand ils vont. Frérot, je sais pas. Je vois personne, quelqu'un? Non. J'entends un mec par contre. Mais on entend, ouais, ils sont probablement pas loin de nous là. Ils se battent ou pas? Ouais. Contact. Okay. Parce que si vous entendez plus rien, les gars, il y a un blème, hein, je vous le dis. Non, t'as tiré. Ils sont à côté de nous. Le blague, c'est qu'il y a des squelettes à 1 mètre de nous, quoi. Ils vont venir les farmer. Mais c'est surtout, on a la visu sur la chaloupe, hein, aussi. Hein.
Donc il peut se barrer avec. Hein. Ouais, tant qu'il y en a qu'une, frérot, ça me va. Bah, il y a la tienne sur le navire et. Je vais probablement la drop pour que vous veniez plus vite. Attends, tu veux mais vraiment regarde, mec, les tirs, vraiment, ils sont super loin. Il y a aucun mec au-dessus de nous là. Hein. Je suis giga chaud pour qu'on bouge vraiment. Bah, parce qu'en fait, le capitaine, tu donnes l'ordre, on te suit. En fait, le truc c'est que là, bah non, mais on se concerte un peu, tu vois, parce que le truc c'est que là, là on a vu sur la chaloupe. Si on fait le tour de l'île par la chaloupe et qu'on revient vers Locke et qu'il drop la chaloupe, franchement, on est bien. Mais faut pas qu'on se fasse choper. Mais on a risque de se faire repérer, c'est ça le blême. Vous entendez repérer, ou pas vous entendez alors qu'ils ont des télés. J'entendais des gens, mais genre t'es sur l'autre île, à l'autre bout là, ou du moins devant l'île vers Locke. Je vois, ouais, j'ai le visu sur les deux et je ne vois rien, mec. C'est à dire. Ils sont sur l'autre île, ils sont sur l'autre île. En gros, tu sais l'île où il y a la chaloupe, ils sont pas là. Non, ils sont pas sur la chaloupe. Non, ils sont pas sur l'île où il y a la chaloupe, ils sont pas sur l'île principale, ils sont sur l'autre. L'autre couille je de l'île principale. Je vois absolument aucun mouvement sur l'autre, mec. Et nous, on entend les tirs qui viennent de là-bas. Ok. Et il y a une sloop qui arrive. Moi, ma théorie, c'est qu'ils sont pas là-bas, les gars, c'est qu'ils sont sur notre île et pas très très loin. Ah ouais non, mais là. Bah, on entend des tirs, à moins que c'est les squelettes qui tirent pour rien. Non, en vrai, à la range, ils sont sur l'autre île. Ils sont sur l'autre île à côté. Ah bah, alors, Senda, là, la nuit est tombée, les gars. Si tu juges qu'il faut se casser maintenant, on se casse pas. Vraiment, pour moi, c'est trop tard. On a raté le timing. Si on veut se réinfiltrer, c'est le seul moyen. Après, sinon, on peut rester là, tu vois. Mais non. Ah, tu veux jouer la réinfil? Oui, on jouerait la réinfil. Bah, t'as un feu vert là. Ok, attends, si on la joue, on se cache où en arme? Ok, non, bah faut me suivre à la nage, ok? Ok. Sendax, mets derrière chaise du capitaine. Il fait nuit, c'est maintenant. Ok. Et les deux autres, vous mettez. Tu les mets derrière la porte XT. Ok. Ok, vous êtes prêts? Ok, on te suit. Vas-y, vous me suivez? Ouais, on te suit. Fais ça vite, hein. Surtout, faut me suivre absolument parce que si on se rapproche trop de l'île, on est foutu. On est collé à toi, je peux dire. Fais la queue le, ouais. Faut qu'il y ait aucun mob qui nous crame, etc. Et vous les entendez se taper là encore? Ouais, mais de toute façon, en fait, il y avait des. C'était des gos! Oh non. Non. C'est vrai. Non, mais y a tout qui foire ce soir! Le navire en plus, c'est le quoi navire, cette prophétie? La perpète, le navire. Non! C'est quoi cette prophétie? On est maudit! Il faut que tu réinfiles. On est obligé de réinfiler. On n'a pas le choix. Mettez-vous deux volants, tu mets Squeezie Dwag au volant, et toi, tu te mets derrière chasse capitaine. Par contre, on va devoir monter échelle, donc c'est un. Non, ça va le faire, les gars, les gars, c'est pas grave, ça va aller, ça va okay, aller. Ok, vous me suivez là, vous êtes bien derrière, ok, nickel. T'avais pas fait échappe paramètre? Vous êtes fait pas, hein. Dans l'excitation, t'as pas fait d'échappe paramètre, frérot? Moi j'ai fait plein d'échappe paramètre, mais en fait, il y a des fois où il faut que tu te relèves. Ok, nickel. C'est vrai que ça faisait une heure que t'étais allongé derrière ce volant. Y'a un mec qui s'étouffe là. C'est Dwagby, prends de l'air. Okay. Je suis prêt à tout pour réussir la mission, ok? Ouais, mais te noie pas parce qu'après on va dire. Ok, venez. On te suit. Oh, requin, oh putain. Vous avez un snipe? Ouais, j'ai un snipe. Ouais. Chacun met sa balle sur le requin. 3, okay. 2, 1, maintenant. Nice. Ok, c'est bon. Je suis au fond du gouffre. Putain, j'aime bien cette équipe. Non, tu vas nous rejoindre, ça va. Après, là, on a fait du bruit de zinzin, mais il y a moyen que ça soit masqué par les bruits de l'île, mais c'est chaud quand même. Mais faut faire attention pour voir s'ils reviennent ou pas. Si jamais on les voit revenir, ça veut dire qu'ils nous ont cramé. T'es où, je te vois plus. Ah, t'es là, ok. Ah, je suis là. Vous me voyez, c'est bon? Ouais, ok, c'est bon, vas-y, on repart. Oh les gars, putain. Mec, je suis sur l'île Athéna. Les gars, quoi, quelle que soit l'issue, c'était grandiose. Putain. T'inquiète, on la win. Quelle que soit l'issue. Sortez de l'eau. Pourquoi? Sortez de l'eau. Ok, vas-y, go à l'échelle, Nick, ça me remonte. On se met à l'échelle et vous attendez, ok? Ok. Allez, je suis à l'échelle. Vous m'attendez, allez, hop, montez pas encore. Tu nous dis. Je suis à la sentinelle. Tu nous dis. Vas-y, go. On se cache où? Cachez-vous. Je me suis remis à la barre. C'est bon, squeeze? Vas-y. Je suis à nickel. La barre. Non! Dog, C'est bon. On est rien fi. Ok, beau gosse. Oh putain. Attends de venir, Locke. C'est absolument incroyable. Oh putain. Attends, l'Athéna, il le mettait où? La capitaine, t'as pas de jack? Il y a un mec avec une L. Oh putain. Attends. Il me faut un mec capitaine. T'es où? Pourquoi t'es pas ce capitaine? Quoi?
Attends, il y a un mec qui a marqué dans le chat. Bougez pas. Ok, vas-y, va Captain. Il faut que tu sois... Il y a un mec qui arrive. Ça arrive. T'inquiète. Je pense qu'il t'a vu. Il vient avec un coffre. T'as un coffre. Il vient avec un coffre. Je vois pas la quête. C'est Athéna ça. Je vois pas la quête. Je la vois pas. J'ai des crânes dessus. Putain. Deux Athéna. Est-ce qu'il y a encore des mecs? Attends, il vient avec un Athéna encore? Ouais. Non, Si, regarde la plage, C'est le troisième. Putain, c'est le troisième. Troisième Athéna. Je suis trop loin, faut jouer sur moi. C'est quoi le plan? C'est quoi, t'es trop loin, t'es où? Je suis trop loin, laisse tomber, 8 cases. Reviens, mets plein de balles quand même. Je suis en train. Troisième Athéna sur le bateau. Faut absolument qu'on time et qu'on fasse gagner un temps de fou. Va falloir okay, faire PVP. Les gars. Donc on fait durer les fights. Tu me prends les 3 Athéna en sneaky et c'est tout, frérot. Y'a pas et de débat. On les met dans la chaloupe et on se casse, c'est ça? Mais non, le but c'est le sneaky. Vous le faites sneaky. C'est-à-dire? En vrai, y'a Sendai, il se barre. Ou non, Dwag, parce que la Sendai peut pas se barrer. Moi je peux pas, on est au gouvernail, on peut pas faire ça. Nous on est au gouvernail. On est derrière la barre. Y'a que Sendai qui peut les mettre. Sendai se barre et vous deux vous restez. Et c'est pas mieux qu'on genre on fight pour attirer l'attention sur nous? Wait, one more. Quand Sendai est en train de faire l'action, je parle. Je parle quand Sendai est en train d'activer l'action, je parle pas genre random. Mais comment ça Sendai se barre? Il se barre quoi? Il se barre en chaloupe? Sendai va se barrer en sneaky. Ok, bon, c'est quoi en sneaky? C'est en chaloupe. Ouais, en chaloupe, oui, tu dis, personne n'entend. Et vous vous restez jusqu'au bout pour prendre le reste des loot. Okay. Ils font des tours, hein, ils sont parano. Moi j'ai peur qu'on soit trop gourmand. Y'a un mec qui a dit Gossel direct. Bah les 3 Athéna ça peut nous suffire, non? Non. Ok, là. Mais pourquoi toi tu veux quoi? Tu veux quoi? Il veut tout. Et tu veux quoi? Tu veux qu'ils remplissent la chaloupe full en scred? De tout ce qu'il y a dans la chambre du capitaine? Exactement, il va le faire. Attends. Tu veux que je freine tous les loots? Non. Toi, tu prends les 3 Athéna. Ah oui, mais si, mais il est malade, mais je freine tout. Toi, les 3 Athéna et nous on gagne le fight pour avoir tout après. Attends, il sort un sable, je déteste quand il sort un sable, je te le dis direct. La dernière fois que j'ai vu un mec sortir un sable, je suis mort. Il a la carte dans ses mains. Comment ça, il a une carte dans ses mains? Il a une carte dans ses mains, le mec en bas à gauche là, en robe. Hein? Regarde, il la met devant lui là. Chat, vous voyez? C'est un truc d'énigme peut-être. Il y a encore ses potes sur l'île. En tout cas, robe blanche, il attend sur le bateau. Robe blanche, il est seul sur le bateau. Allez, putain. C'est quoi le fucking plan, les gars? Bah, déjà, le plan. Vous le volez sans moi, les gars. Le plan c'est. En fait, deux sur le bateau. Pour l'instant, on peut tempo parce qu'ils ont pas encore démarré, tu vois. Il y a montre... encore un mec sur le navire donc ouais. Je peux pas trop bouger. Il lui montre son énigme à lui là. Et on dirait des bots, on dirait une mission solo dans un jeu solo. On dirait pas que c'est des joueurs. Ok les gars. Ils sont partis ou pas? Je vois, sur ton poste, il y a deux mecs qui sont partis là, mais personne n'a sauté. Je peux pas voir s'il y en a pas un encore, mais je crois qu'ils sont partis. Mais je peux pas. Ils ont sauté? Doc, ça dit quoi? Ils sont partis ou pas? Pour moi, il y a plus personne sur le bateau, mais c'est pas une info. Ouais, de ce que je vois, il y a plus personne sur le bateau. Là, tu veux essayer de te barrer maintenant là, avec les Athéna? Il y a plus personne sur le bateau actuellement. Franchement, c'est maintenant. C'est peut-être maintenant. Attends, no joke, là, vraiment, c'est champ libre. Dans le chat, il a dit Gossel et l'autre, il a dit wait one more. C'est champ libre. Et c'est l'énigme de merde. Les gars, c'est champ libre. C'est maintenant, Senda, que tu décides. Soit on prend ce créneau, soit on prendra le prochain. Mais c'est maintenant ou jamais. Il n'y aura pas de prochain parce qu'après, ils vont se barrer pour aller vendre. Il n'y aura pas de prochain. Info, Senda? Vas-y, je me barre. Je prends un truc. Ok, vas-y. Et pourquoi nous, on doit rester? Je commence à bouger. Parce que nous, on garde les infos sur le reste du butin. Et on va réussir à attendre l'op pour avoir le reste du butin. Voilà. D'accord. Et on prendra le reste du butin. On veut tout. On est des vrais pirates. On compte avec le bateau. Ça arrive sur le bateau. Je suis caché. Deux qui arrivent sur le bateau même. Oh putain. Faut pas qu'il check le capitaine. Il est pas là, il est dans la cale, Let's go. Je check la gauche du bateau, check la droite, Dwag. J'ai la gauche du bateau. Ok, je check la droite. Pas d'info, il est toujours dans la cale. J'ai mon cœur, les gars, je suis à 6000. Faut qu'il se barre pour que je prenne la dernière Athéna. Là tu peux pas. Robe blanche, elle arrive dans le capitaine. Non, elle est avec nous. Elle est au mât. Putain, elle a son sabre. Ouais, mec, je ferai pas deux fois la même erreur, hein, je te préviens. Non, t'inquiète. Ok, elle check. Je suis sur le balcon là. Non, mais ils arrivent tous. J'en ai bougé que deux. Frérot, ils sont. T'es baisé, mec.
T'es pour moi t'es baisé, tu pourras jamais finir l'action là. Ah ouais. Elle est en train de grabe. C'est elle baisée où? Elle est en train de grabe des trucs. Robe blanche, elle est en train de grabe des trucs. Attends, est-ce qu'il y a des mecs à l'arrière de la ville? Que quoi à l'arrière non, à l'arrière non, mais elle fait des allers-retours, elle va voir non. Ton pseudo. Elle fait des allers-retours entre le harpon et les. Attends, je vais la jouer ultra sneak, ok. Faudra que faut me dire si jamais sur votre flanc gauche. Elle est face, elle est. Ok, là tu vois pas, là les doigts toi. Je te dis. Il y a un autre mec arrivé chez gauche. Il y a un mec arrivé chez gauche. Elle est cachée, elle arrive, elle arrive. Je suis caché. Oh putain, t'es un monstre. Ouais, t'es trop fort. Ok, donc là. Elle est à la barre. Il se barre. Putain, on a raté le timing. Oh, 3 ici. Non, il va avoir un autre timing. Ils sont 3 sur nous. Je sais pas où est le 4ème. Il est où le 4ème? Il faut 4ème. Il est sur toi. Oh putain, la tête. Oh putain, désolé. Mais Scoozy, check toi à l'avant. Mais je vois. Ah frère, j'ai que la partie gauche. Mais on. Ouah, mais je peux pas surveiller à l'avant et à l'arrière, j'ai eu trop peur. Ça va, Senda? Bah gros. Ouais, c'est pas passé loin. Il y en a deux. Tout le monde sur toi. Robe blanche, elle est à la barre. Il y a le maigrichon, il est à l'avant du bateau. Il faut me dire quand je peux aller prendre. C'est impossible, gros, c'est trop random. C'est impossible, c'est trop random. Il saute dans tous les sens. En fait, on est dans la merde parce qu'en fait, j'en ai deux dans la chaloupe et un dans le capitaine. Ouais, en fait, juste il revérifie. Oh merde! Mais oui, c'est ça qui est important. Attends. Chut, les gars, faut bien communiquer, les gars. Il y en a un qui arrive capitaine. Il y en a un qui arrive capitaine. Contact à toi, tu peux rien faire. Il y a Robe blanche qui est en bas qui va passer. Gros. Attends. Il y a robe blanche et elle se casse, il y a moyen que tu... Putain non, il y en a un qui rentre, il sonne la cloche. Wesh, c'est dangereux lui. En plus je suis à la pose d'avant, il va me cramer lui hein. Il se barre, robe blanche elle est dos à toi frère, je sais pas à quoi elle joue en fait. Ok, attendez, vous voyez les trois mecs à l'avant. Il y a un gros et il y a deux maigrichons tu vois. Il y a un maigrichon bleu et un maigrichon marron. Regardez-les et vous me dites si jamais il... Ça danse. Il danse, les gars, ils sont RP, ils dansent dos à toi. Attends, il y en a un qui... Attends, ça rebouge. Attends, Robe blanche, non, mais Robe blanche, frère, je vais péter mon crâne. Attends. Il y a un mec qui arrive chez toi. Ok. On va faire un truc, vous regardez, parce que moi je suis pas tout voir. Vous regardez bien, ok. Et dès que genre il y a une fenêtre pour que je prenne l'Athéna et que je me barre, vous me dites. Vas-y. Ok, c'est pas maintenant. N'hésite pas, il y aura qu'un seul go. If there is the light, maybe we can make a fort after. Wait. Ok, le balèze il est à l'avant, le bleu il est de dos, et il y a un mec face à. Elle est où Robe blanche, Doig? Elle est où Robe blanche? Elle est où Robe blanche? Pour moi, elle est contact à Senda. Elle est contact à Senda. Putain, si elle était pas là, t'aurais pu, c'est pour ça que je demandais. Non, elle est contact à Senda, pas de bonne info. Ils sont fatigués, donc ils vont pas forcément aller plus loin. C'est maintenant, les gars, ça va être maintenant. Attends, il y a un mec collé à nous déjà. Robe blanche qui sort? Robe blanche qui est sortie, je crois. Il y en a deux top. Putain, je vois mal. Robe blanche top, ok, putain, il y avait un timing. Attends, il y a le fat qui arrive. En fait, les timings sont tellement courts. Ouais, non, et c'est random, frère. Honnêtement, c'est. Oh, y'a un mec qui va en haut! C'est notre chance! Ça, c'est bien! Y'a un mec qui va en haut! L'autre va à l'avant, on a le pilote, ils nous ont manqué juste un peu. Il est où le tank? Robe blanche sur toi! Ouais, Robe blanche sur moi. Il est où le fucking tank? Dès que Robe blanche revient, je pense, fait instant. Le tank est en bas, y'en a un top, un dans la cale. Dès que Robe blanche se cache, je pense que tu peux y aller, frère. Dès que Robe blanche sort de la salle, tu enclenches. Ouais. Ok. Attends, y'a un mec qui est descendu du mât. Ok. Putain, il est descendu lui. Les gars, si la situation est validée, vous me dites. On te dit. Oh putain. Donne les infos, y'a qui chez toi? Moi j'ai que Robe blanche. S-bar, Robe blanche là. On a plus d'infos là, fais attention, attends. Fais rien. On a plus d'infos. Il est parti où le mec du mât? Oui, mais le mec du mât là, il est parti. Robe blanche elle fait des allers-retours. Mais gros, le pirate. Regarde la boussole, dis-moi, ils vont où? Nord? Ils sont FDD. Ils sont après, dernier, peut, ouais. Après les gars, on peut toujours faire la strat d'urgence, on fait une diversion avec Scoozy, juste on tient bon le fight. Non, okay. Moi je veux juste sécuriser ces trois Athéna, bordel. Attends, ça va aller. Mais gros, mais casse-toi. Ils vont arrêter de faire des allers-retours. Attends, stop. Tu m'as dit Reaper's Hard Out. Non, FDD, wesh. FDD. Et ils vont où? Ils vont nord? Non, ils sont FDD là. Ça vient de sauter? Allô? Attends, Robin, je vais sauter à l'eau. Deux qui sautent à l'eau! Trois qui sautent à l'eau! Il en reste un, ils sont deux. Je les vois les deux. Mec, j'ai envie que tu ailles maintenant, gros. Pourquoi tu ailles maintenant? Non, regarde. Non, y'a un mec qui tourne depuis tout à l'heure là. Encore. C'est le mec bleu. Le mec bleu, ouais. Ouais, y'a un mec qui remonte. Il lève l'ancre. À deux, ouais. Attends. Ouais. Putain. Attends. À deux, ouais. C'est bon, le timing. Tu vas? Il vient vers toi. Ça contact? Non, il va vers nous. Il est monté. Il y a un mec bleu face à nous. Il y a mec bleu canon et un mec top. Mec bleu canon, un mec top. T'as un timing. T'es debout? Je marche. Un seul sur le bateau.
Barre-toi, bébé! Barre-toi! C'est bon, je me suis barré! Vas-y, vas-y! Tu t'es barré! Oh là là, je me suis cassé sa mire! Vas-y, fonce! Oh, je suis mort! Barre-toi! Ils ont pas encore conscience! Ils ont pas encore conscience! Il est dos à toi! Alors tu pars juste! On te voit partir! Trace! Fonce! Il est dos à toi! Let's go! T'es un malade! Attends, les gars, ils vont faire le FDD! Ils viennent de lancer! Ils viennent de lancer! Tu te fous de ma gueule! Je te jure qu'ils ont rien à foutre! J'ai plein d'air! On a les trois Athénas en sécurité! Trois Athénas en sécurité, les gars! Maintenant, il y a tout le reste à aller chercher! On veut le reste, on est gourmands! Les gars, on va attendre qu'ils finissent! Mec, ils sont tous au fort! Ils sont les quatre au fort! Les quatre sur le fort, plus personne sur le bateau! Est-ce qu'on coule pas le bateau? Tu ramènes le bateau, on prend tout? Mais là, on pourrait attendre qu'ils finissent le FDD? Pourquoi t'en veux toujours plus? Mais attends, on vient de voler 3 Athénas, frérot, on s'en bat les couilles! Mais là, c'est, là y'a personne! Déjà, Squeezie, tu vas avoir la réaction de 3 Athénas au moins! Okay, ils se parlent dans le chat, donc ils vont se parler dans le chat. Y'en a un qui va mettre Where are the Athénas? Ça va être fou! Non mais on grille l'Athéna de plus, on s'en fout de toute façon, on a déjà les 3 Athéna. Mais oui, les gars, la mission est réussie. Vous avez pas la pof de Senda, là, ceux qui sont sur live, dans le best-of vous aurez la pof de Senda. La mission est réussie, échappe paramètre. Vas-y, on attend qu'il fasse le fort. J'y crois pas, les gars. Oh, let's go, c'était frérot, si t'as tranquille. T'as eu un timing de B. Les gars, on a eu 5 minutes, le PNJ il faisait que tourner autour. Ouais, je voulais péter mon crâne, il voulait pas se barrer. Hein. Ouais. Guys, I need to AFK, y'en a qui dit, ok. Non, mais c'est un rêve ce qu'ils ont. Oh, let's go, sa mère. C'est un rêve, frérot. Non, mais là, ils ont été greedy de vouloir faire ça en plus. Hein. Vraiment, là, ils abusent. Ils auraient juste dû aller rendre leur Athéna en urgence. Mais je sais pas pourquoi attends, ils sont pas allés vendre. Qui a lancé le fort? Mais eux. Le mec a dit il me reste une quête et tout. Ouais, il y en a un qui a dit go, il y en a un qui a dit ah moi j'ai envie de log off. Fous de ma gueule. Je te jure, ils sont en train de le faire. Normal. Parce que les mecs ils avaient un crâne rituel et ils sont allés sur l'FDD, ils l'ont lancé. Genre direct, normal. Avec tout le butin au bateau quoi. Mais j'ai mal à la main sa mère là. Mais du coup tu peux venir, je pense que log tu peux venir. Hein. Ouais mais là ça y est je suis là. Mais en fait, là je suis en train de réfléchir, est-ce que je garde le bateau loin et je viens à la nage en fait. Bah ouais, bah oui. Attends, t'es où? C'est ce que je vais faire. T'es où Locke? Je suis à l'arche. Mais l'arche PVP ou... Non les gars, reviens avec la sloop de Senda. Ouais moi je reviens avec la sloop et je viens te chercher. Bah oui. Mais non mais laisse tomber, je suis à l'arche, j'y vais à la nage. Comme tu veux. Si tu veux mec. Quoi, je suis à l'arche PVP là. Ok, ah bah l'arche PVP. Tu veux quoi? Mais non, mais c'est vous qu'on vient te chercher quoi. Bah, mec, bonne chance. Mais au pire, non, mais c'est bon, va sur la FDD. Ouais, laisse tomber, c'est trop loin. Tu t'es remis dans Sea of Thieves ou pas du coup? Ouais, là, vous pouvez remettre dans la catégorie là. Là, vous pouvez remettre, je pense. Comme ça, on n'abuse pas auprès de Twitch. Ouais, vas-y. Ouais, là, je pense que le plus dur est fait, hein, honnêtement. Je vais mettre ma cape de l'autre côté, les gars, vu qu'il y a le chat qui est important. Ok. J'en reviens pas putain. J'en reviens pas putain avec toute valeur. À chaque fois il y a une déco hein, sur les guildes. Hein. C'est dingue putain. Chaque fois il y a une déco. Dernière fois là c'était deux décos je crois. Toi avec Biscuzzi vous avez déco? Ouais. Ouais t'es allé chercher et tout. Ouais. Putain. Ah non, c'est Mpadou qui est allé vous chercher en fait. C'était un autre mec. Moi je pense faut qu'on se lève et qu'on se rallonge frérot. Moi je me lève et je me rallonge. 3, 2, 1 maintenant? Ouais, go. Nickel. Ah ouais, je... Comme ça, on, il nous arrive pas une low clear, tu vois. Ouais, pas la FK d'une heure. Okay. La sponso, de quoi la sponso? Vous avez une chaloupe ou... Non, vous avez plus de chaloupe. Ah. Non, y'a que moi qui l'ai. Après, je peux revenir avec, hein. Parce que je pense que t'as mis la caméra devant les logos, je pense, frérot. Ah ouais, bah là, je vais vendre. Donc... En vrai, mec, reviens au FDD avec. Oh, j'en ai une! Ouais, ce que j'avais fait. J'en ai une! Merci les gars, vous m'aidez à ne pas perdre mes sponsors, c'est adorable, chat. Je suis un influenceur. Si bancal. Non, mais là, c'est normal, on est dans le. Ah ouais, les gars, là, un Athéna dans l'immersion. On est dans l'immersion. Je vous le dis. Ouais, on est dans l'immersion, les gars, y a... Ils ont mis 3 bandons pour nous. Ah, ça y est, je te vois. Y'a un mec au top sur le bateau actuellement. Mais on l'avait pas vu, lui. Ouais, t'inquiète, je suis méga loin.
Mais Dwag, il était là quand on a fait notre truc, je crois. Il est juste à FK, non? Où? Non, mais mec, j'en reviens pas. Derrière nous, à droite, y'a un mec, frérot. Par contre, je pourrais pas dog si tu dog du coup. Hein. Oh putain! Oh putain! C'est le mec qui a dit qu'il allait à FK! Oh putain, mec, je te jure, j'avais pas vu! Oh la chatte qu'on a eu! Oh, on s'est levé, mais normalus devant lui! OMG! Ça se trouve, imagine, il est en live et son chat va lui dire: what, what? What the fuck? What the fuck? Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça? Ah merde! Ah, tranquille, tranquille. Oh mon dieu, j'avais. Mais non, mais notre chat à nous, ils feront pas ça, ils sont avec nous, frérot. Ok, tranquille. Tu te rappelles pourquoi on cache les pseudos? Oui, je me rappelle. Tu te rappelles pas? Oui, si, je me rappelle. Regarde derrière la chaise du capitaine, y'a un mec sur ton navire. C'est un peu drôle. Je vous imagine rager. Oula. Y'a une sloop à côté de Plunder, j'espère qu'elle vient pas sur moi. Bah, je l'ai vu aussi, Reaper celle-là. Ouais, mais. Ah ouais? Ouais, je crois. Bon, pas le truc, c'est qu'elle a envoyé un coup de canon. Il est revenu, il saute, il va sur l'île. Ok, excusez. Les 4 sont on. Il vient de marquer, ok, I'm back, ouais. Mec, les 4 sont sur l'île. Eh les gars, il y a un mec qui était à 2 mètres de nous derrière nous, qui regarde dans notre direction, s'est levé au cam pour se remettre en position, on l'avait pas vu, c'est bon. S'il était pas FK, c'était fin de la mission. Ok, I'm back for how long, lol? Ouais, ils font des petites blagues et tout. Ça se trouve, les autres, ils vont croire que c'est lui qui est allé... Qui a volé. Qui a volé les Athéna. Ouais. Bon, les devs, là, c'est bon, j'ai compris. I don't know my eyes, bro. XD. Attends, qu'est-ce qu'ils disent, là? Rien, parce qu'il y en a un qui... Oh, les Athéna! Là, c'est arrivé, là, c'est arrivé. Les Athéna! Les Athéna! Si on arrive à doubler le vol, frérot. Encore! Si on fait un back to back, c'est exceptionnel, les frérots. Sur les mêmes mecs! Oui! Ouf! Oh, les mecs, on vient de leur voler le butin de la quête annuelle, Sea of Thieves. Encore des Athéna! On vient de leur voler la quête que tu peux faire qu'une fois par an. Une fois dans une vie, moi je préfère cette légende. I'm so tired, let's do it fast, oh, please. Lubert Rowena, il lui dit je suis méga fatigué, faisons vite. Oh non, il va être tellement déçu. Oh, là, là il pense dormir en ayant encaissé 4 Athéna. Et, la vérité, et la vérité, c'est qu'il y en a déjà 3 qui ont été vendus par cette dame. Oh non, mais tu dois gagner. Oh les gars, la réaction, elle va être tellement folle. Oh là là. Vous voyez, chat, pourquoi ça valait le coup d'attendre, de s'infliger toute cette attente. Oh mon dieu, on est... Quel kiff. Les gars, on est des pirates, putain. Ah là, c'est vraiment la vie de pirate. Oh. Non mais le truc, c'est que le mec, il est peut-être en train de veiller tard et donc perd du sommeil parce qu'il doit absolument finir cette mission et qu'il a trouvé l'équipage pour le faire ce soir et qu'il pourra pas le faire autrement. Les gars... Sauf que là, il va se rendre compte qu'il aura perdu sa soirée, que demain, au taf ou à l'école, il va être fatigué pour rien. Ça va être la double peine. Les gars, on est à 4 Athéna au moment où on se parle et là, on est en route pour le 5ème. Et là, ce serait vraiment merveilleux. Non, non, on est au 4ème. Non, on en a déjà pris 4 là. Ah oui, ce soir. Bah oui, ce soir. Ah ouais, moi je te parle de ces gars là. Ces gars là, ils en ont reparlé 4 pour nous. Ils ont pas fini de tout donner. Ils ont pas fini de tout donner. Les fesses du navire, elles sont par rapport à l'île, elles sont à droite ou à gauche? J'en ai pas la moindre idée, mon frérot. Vas-y, je reviens là. Vas-y. La voie est libre. Regarde mon pseudo, regarde mon pseudo, regarde mon pseudo. Je sais pas qui t'es en fait. En fait, il y a un pseudo que je vois, c'est forcément le tien du coup. T'arrives dans le cul du coup. Ouais, c'est bien. T'arrives dans le cul. Ok, parfait. Et ils nous font un fort en prime. Non mais les gars, j'en reviens pas. J'ai juste hâte de voir la réaction en fait là. Le braco de zinzin. Mais moi je suis à leur place, il y a un man, je le fous dans la cabine du capitaine et je lui dis tu montes la garde quoi. Non mais mec, comment tu lui dis ça? Quand littéralement tu sais toujours pas que tu t'es fait voler tes Athéna? Mais mec, on sait jamais, mec, tu mets 3 heures à les avoir, la vie de ma mère, je mets un mec. Non, le problème c'est qu'on leur a mis la puce à l'oreille, en fait c'est ça le blème. Mais en fait, ils ont pas une chance de fou hein. Ils ont pas tilté. Parce qu'ils ont tué 3 gars et ils ont pas tilté quoi. Non mais les gars, j'adore cette vie. La réinfiltration grâce à l'île que t'as vue sur la carte et que le chat a examiné. Ça,
Ça, je te le dis, c'est masterclass. C'est moi, je propose déjà qu'on applaudisse nos deux capitaines, Locklear et Senda, parce que déjà, sans vous, on n'aurait jamais vécu toutes ces émotions. Et c'est vrai qu'on est toujours là à kiffer avec vous et on vous remercie jamais. Donc là, j'en profite, voilà, bravo. Moi, j'applaudis, le chat, vous me suivez si vous voulez. Mais bravo Senda, bravo Locklear. Et on en veut encore. Merci. On en veut encore, l'histoire, elle est pas finie. En tout cas, c'est un truc de fou parce que t'imagines, genre, sans Snake, on n'aurait pas pu se positionner. Tu vois, c'est vrai. Sans l'info. Donc merci le chat. On était mort, donc merci le chat qui a fait les enquêteurs. Dis-moi, je suis bloqué, j'arrive derrière. Merci chat aussi. La prophétie vrai, c'est la prophétie. Comment ça, j'en arrive en mode numéro 2, la prophétie. Oh, ça explose. Tout explose. L'île explose. Tu vois, j'ai dit la prophétie, ça explose. J'ai dit la prophétie, tout a explosé. L'île a explosé. Non, ouais, ça a pas fini. C'est que j'ai dit la prophétie, mec, c'est un signe. Dernière vague. Ouais, les méga kegs, non, genre ça a pété, genre énorme ou pas. Ouais, énorme, partout. Partout. Ouais, ok, bah c'est bien. J'y vais ou j'attends. Bah comme tu veux, en toute façon moi j'arrive, mais y'a une soupe qui arrive en même temps que moi. Mais non. Ah bon? Non. Ah ouais, en fait là, moi je suis en train de pédaler avec mon truc là, et y'a une sloop à ma droite, à genre 50 mètres. Mais non, mais c'est le clear, c'est le clear. Non, y'a une sloop, un navire, deux joueurs. Parce que moi je vois vos deux pseudos arriver là, je vois vos deux pseudos. Ok, les gars, je peux docker, checker autour, y'a pas de. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Tu peux venir, monte côté droit évidemment, et vas-y. Non, je monte à la chaloupe. Ah oui, vas-y, ça tu peux, ouais. RS, Lock, tout va bien. Oh, mais les gars, le joueur AFK il va se faire accuser, c'est pas possible. 100%, 100%, 100%, il ils vont le. Ils vont dire frérot. Je suis toi, perso, je le connais pas, je suis pas avec lui, mais je le trouvais déjà louche. Donc je me dis que eux. Pourquoi y'a plus de bruit, y'a plus rien? Ah si, c'est bon. Oh, contact, y'a un mec qui vient de respawn. Contact, ils sont tous là, Ah, mais ça veut dire qu'ils sont morts, qu'ils viennent de respawn. Bah ouais. C'est le seul moyen. Bah c'est le seul moyen, mec. Ils viennent de mourir et de respawn au bateau. Deux mecs viennent de die. Mais je pense que c'est ils sont morts des explosions, ils sont morts des explosions. C'est sûr, je les aurais vu revenir, je fais que ça, frère, gars, pour l'autre. Ou alors, toi, qu'on est vraiment du. Non, vraiment, on veut pas. Je veux bien qu'on soit nan. Non, quand même. Ça fait deux fois que. 3-4 Mais ils sont tous morts, ils sont tous morts. Ils ont. Quoi? Ils sont tous morts. Ouah, la sloop qui arrive sur vous là, mama. Putain, mais qu'est-ce que ça va être cette histoire? Est-ce que vient me chercher cette sloop? Je me suis fait TP. Hein? Non. Hein? En vrai, tu peux pas, il faut que tu dogues. Ah, bah je suis pas forcément loin, tu vois. Don't tilt. Attends, mais j'arrive. En plus, il y a une soupe qui est là et ça va les ralentir un peu. Mais attends, mais la soupe elle va foutre la merde. Ah, les gars, le boss. Attends, mais il y a un deuxième navire derrière toi, Locke. Hein? Ah, c'est le report que j'ai vu tout à l'heure? West. Musique du boss. Chaloupe en sud-est, le squeeze. Chaloupe en sud-est. Lève-toi et rallonge. Attends. Non, on peut pas. Ah non. C'est notre galion, ça, Locke. Oui, c'est notre, ouais. Je pense qu'on peut se lever. Non, ok, j'ai compris. Vas-y, mais il y a un bateau en face de nous, hein. Quel bateau? Vraiment, juste en face de nous. Bouge. Mec, Squeezie, tu regardes plus d'un côté. Il faut que tu regardes un peu 360. Mais ouais, il dort. J'ai pas vu. Il y a un bateau pile en face de mais nous. Mais oui, en fait. Bah oui, chaloupe, contact. Échappe par mètre. Ils montent la voile. Ils vont infiltrer. Saloperie, va. Imagine, ils s'infiltrent sur nous. Ils font hi. Ou sinon, les mecs, ils voient que t'as infiltré, ils poucavent ta pose. Attends, ils rebaissent la voile. Qu'est-ce qu'ils font? Non, ils lèvent pour calibrer, pour tirer. Ils veulent nous couler là? Non, c'est une blague. On va voir. Peut-être, hein. Ça arrive contact au bateau. Doig, bouge pas. Ok, bouge pas. Arme en main, il est déterre. Laisse-le, bouge pas. Ils sont sur le bateau, bouge pas. Attends, ils rentrent dans les coffres, attends, est-ce qu'ils vont se faire voler alors qu'on est sur. Attends, quoi? Attends, mais ils ont des Athéna derrière eux. Attends, y'a un mec à bord. Il a pris un crâne, il fait le tour, il se barre. Il prend un crâne. Mais attends, le mec. Mais y'a un Athéna. Scusi, y'a un Athéna dans le bateau de la chaloupe devant moi là, il brille en vert. Non, je crois pas. Mec, j'ai vu un truc. Non, je crois pas. Il ferait pas ça, frère, c'est vrai. Attends. Ils mettent les loot sur le pont, pourquoi? Bah pour les grabes. Attends, pour les grabes. Pour les grabes. Mais c'est quoi ce scénario? Mais c'est quoi? Ils sont en train de se. Y'a un vol sous nos yeux, Locke. Mais c'est on quoi? Y'a un vol sous nos yeux. Oh non, l'autre il l'a vu, regarde. Il leur dit sloop. Non mais c'est. Mais quoi? Ils reviennent sur leur bateau. Ils vont défendre. Squeezie, bouge pas frérot. Let's go. Oh, ça va se fight sous nos yeux. Putain, il a posé les crânes pas loin de nous, ce bâtard, c'est chier.
Squeezie bouge pas. C'est quoi ce scénar de fou? Mais frère, il est en train de tout. Ça fight, Koutar. Ça fight, ça fight. Il est mort, il est mort, il est mort. Attends, non, il est pas mort, il est pas mort, il est pas encore mort, il est pas encore mort. Il est pas encore mort. Mais attends, non, il est pas mort, il est pas mort. Get out of here, donkeys. Il va respawn sur le bateau, c'est tout. Non, 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 le mec. Ah oui, il va respawn. Ouais, il va juste respawn à côté. Il coule le bateau d'à côté, faut qu'il coule le bateau d'à côté. Ça fight, ils ont essayé de. Oh, ça se défend bien. Go sunk them, ils vont les couler. Un mort de chaque côté, ça respawnait de côté. Eh, hey, Locke et Seldar, revenez en chaloupe hein, pendant ce temps. Qu'est-ce qu'on fait là, Squeeze? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est quoi cette cavalerie? Ils sont en train de couler le bateau. Le bateau d'infiltré en train de se faire couler. Le bateau d'infiltré en train de se faire couler. Le bateau d'infiltré a fait des dégâts. Ils perdent. Non. Les infiltrés perdent. Ouais, ils sont en train de paniquer, ils se font niquer là. Et c'est ça, okay, ils vont couler là. Let's go, let's go. Voilà, il est au snipe. Voilà, il leur met ce qu'il mérite. C'est bien, les gars, putain. Je pensais pas que vous encouragez un jour, mais là c'est avec vous. Là ils leur mettent vraiment ce qu'ils méritent. Là c'est. Ah, l'autre il s'est pris deux boulets de canon. Ça va couler, hein, ça va couler. Ouais, voilà, c'est bon, ça coule, ça explose, c'est terminé. Ça coule. C'est fini. Ah, il est en feu et tout, ah ouais. Ah non, ils ont foutu le feu eux-mêmes. Ah, c'est terminé. Mec, je te jure, j'avais cru voir un Athéna à l'arrière, donc on va le savoir. Hein. Non mais. Là, regarde bien l'arrière, s'il te plaît. Non, il y a un truc vert. Ils auraient jamais fait ça avec un Athéna. Mais mec, c'est quoi ce truc vert à l'arrière? Je sais pas, mais c'est pas ça. Ok. Ah, ils l'ont grab. Ils le laissent pas partir, hein, putain. Mais attends, mais c'est trop bien pour nous parce qu'ils vont croire que c'est eux qui ont volé les Athéna qui ont disparu. Bah oui. En vrai, de fou, hein, par contre. Bah ouais. Attends, donc en fait, réagir. Nous, on est invisibles. Ah là, c'est pas mal, ouais, ça fait une petite diversion. Ah ouais. On est pas suspectés. Alors ils ont pas coulé hein, ils ont pas. Non tu pourras pas, là ils vont te voir. Ah mais si ils ont coulé, bravo. Ah, si, là, le bateau. Attends, là. Attends, je t'assure que le bateau Attends, y'a Sprinty John qui met des points d'interrogation. Vas-y, j'attends là, c'est bon. Attends, y'a Sprinty John qui met des points d'interrogation. Les gars là ils sont en train de se rendre compte du vol. Que ça a disparu, ouais. Les gars là ils sont en train de se rendre compte du vol. Parce que là ils sont en train d'aller mettre les crânes dans la cabine. Ils cherchent les Athéna comme des fous. Go finish fast. Ils cherchent les Athéna comme des fous. Attends, ils ont pas vu qu'ils manquaient les Athéna, je te crois pas. Attends. Before they come back. Il a dit go finish fast before they come back. Ils ont pas vu. Fais gaffe, y'a un mec au volant, hein, tu le sais. Peut-être qu'ils sont. Ils sont concentrés, frérot. Mais. Non, moi je pense qu'ils sont méga concentrés. Non, moi je pense qu'ils sont fatigués, frérot. Voilà ce que je pense. Ouais, mais moi je pense qu'ils sont concentrés aussi, tu sais. C'est genre, faites gaffe, vous allez. C'est à chaud quoi. On vous dit quand vous pouvez venir, les gars. Attendez, parce que là, du coup, ils sont. Ouais, t'inquiète, tu me dis. Continue à faire des 360, hein, tranquille. C'est. Il y en a un qui. Ah non, c'est bon, je crois qu'il y a plus personne doit être sur le navire si j'ai pas de bêtises là. Il vient de sauter, ouais. Il vient de sauter à l'instant. Sauter, ouais. Vas-y, on y va. Ils vont juste venir la quête en 2-2. Vas-y, ouais. Parce que c'est le boss là, non? Ouais. Ouais, toujours. Ouais, il faut qu'on actionne. Ok, viens, on se lève et on se rallonge nos doigts. Des comptes. Attends, je vais. On se met où, frérot? Ok. Bah, je sais pas, mais en tout cas, je vais docker et. Vas-y. J'y penserai sur le chemin. 2, 1, j'allais tenter un harpon. Bon, non, mais c'est bon, toi. Oh mon dieu. Oh la durée que j'ai mis. Oh la gourmandise, c'est quoi mais ça? Le harpon il passe tranquille, frérot, je te jure. Tu sais quoi, tu veux que je fasse la méga spéciale là? Non, elle est buggée, elle marche plus. T'es sérieux? Ouais, celle sur le côté là du navire? Ouais, j'y crois pas, non, ça marche non, pas. Non, elle marche plus. En gros, tu peux te mettre dessus, mais ça va te relever dès qu'ils vont bouger en fait. Ah oui, ça me faisait ça, ouais. Ça te relève random, pareil pour les voiles, c'est cassé. Attends, mais on arrive, les gars, on arrive, c'est bon? Parfait. Ouais, c'est bon. Terrain libre. Attends, on arrive face ou à l'arrière du navire là? Non, t'arrives à l'arrière, c'est bon. Ok. On ne lâchera rien! Mais les gars. On veut tous les trésors. Non, mais ce qu'on a vu, on a même vu une tentative de vol d'un autre bateau, c'est incroyable. Y'a un mec en feu? Y'a un mec en feu. Ça qui va, a ça peut-être va, le bateau en visu. Mec, y'a tout le loot! Mais oui, y'a tout. Attends. Ils ont rien volé. Doucement, je me suis fait TP ici. Doucement. Ouais, t'inquiète, mais je connais. Ok. Hop. Vous pouvez venir. On vous entend. Y'a rien, les gars. RS, terrain libre. Faites très vite. Terrain libre, vite, en place. Je savais que t'allais le faire. C'est parfait, les gars. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la prophétie. Bienvenue à bord. Épisode 2. Prophétie 2.0, bienvenue. Contact. Oh, la chatte qu'on a eue. Il est mort, lui. C'est un mec qui est mort, ça. Le bon timing. Ah ouais, putain. Oh, les gars, il serait sorti comme vous. Là, on a fait le beau jeu, hein.
J'aurais pleuré. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on est un peu aux extrémités, donc s'il y a un big barrel qui pète, ça va, on meurt pas. Mais ils en mettent du temps à le buter là, le boss. Eh hey, mec, ça va, je trouve qu'ils ont fait méga vite hein, pour arriver au boss. Hein. Je trouve qu'ils ont fait méga vite pour arriver au boss. Bon, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils se rendent compte qu'il manque un certain butin dans ça le pilote, dans la pilote. Cabine du capitaine. Par la force de Poséidon. Je veux tout ce qu'il y a sur ce bateau. Ah mec, je te dis, ils vont aller en poste, ils vont avoir une surprise, il y a 4 commandos d'élite qui vont se lever, qui vont faire péter les barrels, frérot, ça va exploser. Et ils vont couler? Bah oui, ils vont couler. Mais parce que pourquoi ils mettent les barils de poudre sur le bateau? Parce que ça, tu peux les vendre? Ouais, tu peux les vendre. Mais c'est juste méga dangereux, super quoi. Super cher. Ok, putain. Ça se vend, c'est de la grid, hein. Oh putain, Sendash, j'ai... Oh, j'y ai cru. Elle, c'est problème numéro 1, c'est un rôdeur, c'est une sentinelle. Elle fait que de bouger tout le temps. Robe blanche, ouais, robe blanche. Ouais, d'accord. C'est un malade. C'est un malade. Au début d'un film, je te l'avais dit, lui. Le sniper, ouais, effectivement. On est tellement proche, mec. Ouais. Ah ouais, là, ils ont vraiment collé le bateau pour être sûr de bien voir s'il se passe une dinguerie ici. Et elle regarde encore de là-bas, l'autre. Hein. La vie de ma mère, elle est droite comme un piqué. Après, normal, ils viennent de se faire attaquer, frérot. Il y a un moment, mec, genre, tu mets 4 coups de là. T'as 3 mecs sur ton navire qui sont planqués au même endroit. Ok. Dans la même soirée, après t'as un autre navire qui arrive corps à corps. Dans la même soirée, frérot, bon, tu commences à être un peu parano. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait une sirène, Senda, t'as vu? Mais c'est la leur, je pense. Et après, leur sirène à côté du bateau, c'est pas possible. Échappe par mètre? Non, c'est la nôtre, je pense, en partie. Après, non, c'est bizarre. Il y en avait une en dessous de la chaloupe, t'es d'accord? Ah ouais, c'est la leur, du coup. Mais ça, c'est celle des. En fait, ça peut être. Mec, ouais. Pour moi, ils ont pas tué les deux infiles et y a un mec sur l'île ou peut-être même dans le bateau. Ça peut être les infiles. Oh! Tu penses qu'il y a un autre man sur le bateau qui a infiltré là? Impossible, il y a moyen. Sur le bateau, impossible, on l'aurait vu. Alors, pas. Si c'est possible. Non, sur le bateau, impossible, gros. Je crois que c'est possible, frérot. Mec, on check les échelles depuis le début. Ils peuvent pas avoir une sirène à côté de leur bateau là, le bateau c'est leur spawn, la sirène elle est toujours. Mais c'est pas celle de Doug et moi? Le seul moyen c'est qu'ils soient montés par l'arrière s'il y a une chaloupe quoi, c'est tout. Mais non, pour moi il y a un mec sur l'île ou dans notre bateau. Sur l'île peut-être, sur le bateau j'y crois zéro. Parce qu'en fait tout à l'heure quand ils ont coulé, ils ont peut-être respawn dans l'eau, ils ont nagé vers l'île ou un truc comme ça. C'est possible. Ok, regarde, mais l'autre elle a la lanterne et tout, elle check hein. Oh, ils vont dropper les loot sur nous, hein, ça me fait au courant. Bah ouais, je sais, c'est pour ça que je me suis mis là. T'es sûr que c'est le boss? Ouais, c'est le boss 100%, bah oui, y'a la musique. J'ai envie de bouger là, frérot. Non, fais pas de bêtises. Ouais, là, je le sens mal, ils vont mettre les loot sur moi là. Mais pourquoi? T'as peur, hein? Franchement. J'ai le mauvais côté! T'as le bon côté! Moi, franchement, j'y on joue jusqu'au bout. Mais non, reste là, alors. Vas-y, assume. On a joué Ballsy, c'est bon. Les gars, est-ce que je peux faire un seul truc? Attends, mais l'autre elle monte la garde, regarde là-bas, elle monte le bateau. Pas le dig dong, s'il te plaît. Je veux mettre un coup de cloche, s'il vous plaît, les gars. Y'a un mec qui arrive en plus. Non, on ruine pas tout, c'est bon. Pour un vieux truc troll, c'est bon. À un moment donné. Il marche à plat ventre, et viens, je me mets à plat ventre sur l'échelle. À plat ventre? Non, abuse. Non, je le perds. Non, le fais pas. Attends, mais lui, il était pas. Attends, y'a un mec qui vient de monter qui ne fait pas partie de leur équipage. Si, c'est le mec bleu. Si, bien, c'est le mec AFK qui est devant qui on s'est levé. Ça fait quand même 2 heures qu'on l'a vu, lui. Ah ouais, non, ouais, mais les gars, là, je suis en alerte. La musique, elle me stresse. Ouais, mais les gars, il nous faut ce dernier Athéna pour bien dormir. Je le sais, vous le savez, on le sait tous. Putain les gars, si seulement je mettais un petit dong de cloche, ce serait genre... Ah merde, j'ai le mauvais côté là. Quand je parlais, une game, tu m'entendais? Ouais. Ok. Mais fais pas ça. Non. C'était pour savoir.
Là en plus ils sont aux aguets là, ils check et tout, ils ont peur. Ah, c'est fini. GG les gars. Ah frérot, moi je vais me faire griller. C'est l'heure de vérité pour Locke. Parce qu'en fait Locke il est à côté du harpon pour choper les loot. Les gars, c'est Manon, qui se rend compte. Le règlement de compte. Oh là 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 là, c'est pas possible frérot. Le règlement de compte. Ah, ça nous l'a compté aussi le, la mort du boss. Bien sûr ouais, frérot. Ouais. C'est comme si là littéralement il farme pour toi. On a tout pris dans cette histoire. Ça ils ont mis du temps à tuer le dernier boss. Oh putain. Ok, ils vont arriver. Ok, il y en a un qui est là. Bon, il y a aussi une raison qui regarde. Ça grappe. Okay. Athéna, Athéna. Senda, attends. Je vais aller derrière lui, je vais le prendre. Il va le ramener à côté des autres, sauf qu'il n'a plus. Senda, tu vas ramener. Ils ont marqué. Attends, mais ils il a même marqué. Pas remarqué. Oh, si, reviens avec la Athéna, il a compris. Mec, il a pas. Il le pose là-haut. Il le met là-haut. Il a compris. Il le met là-haut, bordel. Tomorrow are days of work. Putain, c'est ce que je vous avais dit. Demain, ils ont des journées brutes au travail et du coup, ils voulaient tout faire mieux aujourd'hui pour s'en débarrasser et pour être tranquille toute l'année. Oh non, lui va être dépité. Oh, il a posé son jour. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ah, je suis mort. C'est horrible pour lui. Attends, guys. Oh putain. Attends. C'est l'heure de vérité, guys. Oh, en plus, c'est le robe blanche. C'est robe blanche qui se vénère. Je crois que c'est robe blanche. Lui, c'est le pilote. Lui, c'était le pilote. Oh les gars, c'est maintenant. Oh le meilleur moment. Where is. Allez, dis-le. Oui, you hide the Athena. T'as caché les Athéna. You hide the Athéna on top. Oui, mais il y en a qu'un. Oh, ils vont mal se comprendre. Ils vont croire qu'ils sont tous cachés. It was your job, no. Oh, elle l'accuse directement parce que c'était son. Mec, je vous dis qu'il y en avait un qui rangeait le mec avec le chapeau de pirate, c'était le mec qui rangeait. Non, vous voyez que c'était sa mission. Attends, did you put them on top? Oh, ok, ils y croient, mais ils sont mal compris. Donc la robe jaune, elle croit qu'il y en a 4 au top alors qu'il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul, il y en a qu'un. Robe blanche. Et quand elle. Oh non, mais quand elle va le défoncer. Non, les gars, c'est pas possible. 100% on top. J'y crois pas. Il a dit 100% on top, donc il lui fait croire qu'il y a la totalité on top. Alors que non, lui veut juste dire qu'il a mis le dernier au top. Ils sont en train de se. Oh, c'est trop bien pour nous. J'y crois pas. Donc là, il est pas en alerte. Donc là, il est pas en alerte. Ils savent pas, ça fait 2 ans. Là, il est pas en alerte. Mais oui, là, il est pas en alerte. Oh putain. Pour eux. J'y crois pas. Ils arrivent au marchand, ils vont chercher les 4 en haut quoi. J'adore. Non les gars, c'est pas possible. Les gars, Locke, avoue, c'est toi, tu me fais un cadeau d'année. Tu t'es dit je vais lui orchestrer. Ça ruinerait mon enfance. Tu t'es dit je vais lui orchestrer la meilleure soirée si ça ruinerait mon enfance, s'il te plaît. J'aimerais vraiment, mais là frérot, je te jure, c'est. Mais mec, on est infiltré, on s'affoire, on se réinfiltre. Il y a des mecs qui arrivent, il y a une tentative de vol sous nos yeux, finalement qui échoue. C'est trop beau, il y a une incompréhension entre eux, ils pensent qu'ils ont les Athéna parce que l'autre il vient de le mettre au top, il lui dit au top alors que 100% on top. Il parlait du dernier, pas des trois autres. 100% on top. Je n'y crois pas une seconde. Non mais moi je suis l'autre, je vais vérifier au top frère, c'est pas possible. Bah non, il lui fait confiance, c'est son job. Il le trust en vrai. C'est son job. Les gars, il ramène Baril. Non. Tu veux dire qu'on va finir en beauté, ça que tu veux dire? Ouais, bon là par contre c'est chaud. Attends, mais il les met en haut le Baril? Attends. Oh putain, j'espère. Pose. Et le Baril. Oh, la vérité va éclater. La vérité va éclater. Il va voir la télé. Non. Il va voir la télé, les gars. Non. Il va avoir qu'un casse. Non, attendez, pas attendez, lui. Attendez. Échappe paramètre. Oh merde, et là 100%. Oh, il a pas vu. Ah non. Oh. Non, c'est pas possible. Il l'a pas vu. C'est pas possible. Oh. Ah non. Oh, la folie. C'est trop, frérot. Oh. Non. Attends, mais il est fou lui. Et quoi? Oui, il me regarde droit dans les yeux. C'est pas possible. Non, elle vérifie pas, elle fait confiance à son teammate. Elle fait confiance à son teammate, elle vérifie pas. Non, mais le quiproquo. Mais il est passé devant, genre, elle a regardé quand même. Mais il y a son pote qui lui a dit 100% on top. Tu montes, t'envoies un, tu dis ok, c'est bon, ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je pense, hein. Elle a posé, elle a descendu, elle a pas regardé. En fait, il y en a un qui allait mettre l'Athéna en haut, et juste après, l'autre il a dit les gars, c'est où les Athéna? Et donc. Lui il a dit bah c'est au top parce qu'il venait de mettre. Il a dit je les ai mis au top. Non, et ouais, en fait je crois qu'elle a pas mis de S à Athéna.
Ah, du coup, il parlait de l'Athéna, genre ouais, celui-là. Ouais, du coup, il croit qu'elle parlait juste du dernier Athéna, alors qu'elle parlait de tous les autres, en fait. Ceux qu'on a vendus, quoi. Non, c'est 100% c'est top. Incroyable. C'est absolument incroyable, j'y crois pas. Vraiment, j'attends le moment où ils vont vraiment réaliser. Non, qu'il y a mais, plus rien, en mais fait. Non, mais ça se trouve, il va jamais. Attends, peut-être lui, il va réaliser. Non, je parie. Non, lui, c'est lui, il disque un peu. Mais ouais, là, par contre, il est tous les barils. Regarde, là, en train de monter les barils. Non. Ouais, bon, par contre, faut pas qu'il y ait une tempête ou des mecs bizarres qui arrivent parce que là, on est foutus. Hein. Ouais. Si tout ça, ça pète, on meurt, nous, en bas. Ah ouais, non, on meurt instantanément, y'a pas de... Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, là où on est, nous, on meurt pas, mais eux, ils sont... Ouais, eux, ils vont peut-être crever. Bro, oh, they're bro. Only one on top, lol. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Ça commence, ça commence. Oh merde. Bro, oh. They're only one on top, c'est maintenant. Yes, I put one on top. No. Non. Le Sénat. Oh. Le script est trop fort. But where are the odor? Non mais attends. Where are the odor? Où sont les autres? Attends. Non, attends, arrête. Attends. Où sont les autres? Mais où sont-ils les autres? I don't know. Mais où sont les autres? Is in the sloop. Ils pensent que c'est la sloop qui leur a volé. Is in the sloop. Oh. Ils pensent que c'est le petit bateau là qui les a attaqués tout à l'heure là qui les a volés. Tu sais ce qui est horrible, c'est que dans 10 ans ils ne sauront toujours pas la vérité sur ce qui s'est passé ce soir là. Don't say me that, please. Don't say me that, please. They are taking our loot. Ouais, ils ont pris nos loots. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. But there was nothing on the sloop. How? Fuck, guys! Y'a rien dans la sloop. Non, oh putain, pas... les gars! Oh, les gars, on va être. Pourquoi y'a pas de voice? The donkey sloop. Putain, je te jure. Yeah. Bon, no one check? Personne n'a vérifié? Bah, je sais pas, hein. Parler en texte, c'est open crew. Quelqu'un s'est peut-être caché sur l'île? Ah, wait. Quelqu'un les a cachés sur l'île. Check the island, ils vont checker l'île. Ils vont checker l'île. Regardez checker sur l'île. Ils vont checker l'île. Tu et l'autre qui dit. Attends, les gars, travail. Vous savez ce dont je rêve. Vous savez ce dont je rêve, mais c'est. Mec, on va le faire. On va le faire. On va le faire. Oh, Sprinty John, c'était sa mission, mais je vous l'ai dit, c'était le mec qui devait checker l'île et on va prendre les derniers athées là. Guys, oui, we check it after oui, the sloop. Et on les prend, et une fois que nous on est dans notre sloop, je sais pas si tu peux tirer une balle de snap dans les barils explosifs pour que le bateau il coule sous leurs yeux. Ce serait merveilleux ça. Mais non, attends, parce que si on coule le bateau maintenant, tous les loups tombent à l'eau là. Mais on s'en fout, après on les tue. Ils arrivent pas à comprendre. Non, je veux qu'ils les ramènent à l'avant-poste. Ah non, moi je pense que faire péter leur bateau sous leurs yeux c'est extraordinaire, les gars. Non, mais justement. À l'avant-poste. Ouais, on les pète à l'avant-poste. Fucking donkey. Fucking donkeys. Oh mon dieu, parce que t'as dit vous êtes des ânes. On devrait avoir 4 Athéna. Oh mon dieu. Yes. Oui. Oh non, c'était le rôle de Sprinty John. Attends, les gars. Peut-être. Wait, maybe robot. Yes. Il dit des gros mots. Ouais, robe blanche, elle est énervée. Robe blanche, elle est énervée. Bah les gars. Guys, ouais, elle est vraiment vénère, là, elle a plus les mots. Guys, Sprinty John, ils c'était ils sa mission. Checker autour de l'île, frérot. Sprinty John, dites-vous que c'était le pirate qui traînait beaucoup dans la petite salle et qui c'est rangeait à chaque blanche, fois. C'est Sprinty John. Mais non. Oui, pardon. Et c'est ça. Les gars, c'est une télé-réalité. Attendez, écoutez, ça veut dire que tout à l'heure, quelqu'un avait peut-être vu les 3 Athéna dans la chaloupe, puisqu'il y a un mec qui vient de dire checker la chaloupe. Ouais, mais il vient de dire que la chaloupe, elle est vide. It's okay, guys. Ah non, ça c'est va. Ok. Il y a 3 étonnants. Ça y est, c'est fini. And where is the sloop? Où est c'est la sloop? C'est ok, les gars. Je viens de perdre 3 étonnants, au calme. Comment ça, c'est ok? Go sell. Là, ils veulent sécuriser. Fast. Là, ils veulent sécuriser. Là, ils veulent sécuriser. Il est furieux, les gars. Fast, go vendre. Ah ouais, regardez, là il décolle. Les gars, ça va être le coup de massue là. Là, les gars, on peut leur mettre un coup de massue. Là, vraiment, c'est le coup de massue. Ils viennent d'avoir l'explication. Les gars, quand on arrive à l'avant-poste, on prend le Athéna, on se casse, on fait péter les barils en haut. Et on vend tout le reste. Et on vend tout le reste, on les élimine et on vend tout le reste. C'est fini. Qui fait péter? Moi, je peux pas faire ça. J'ai une idée de zinzin. Est-ce que quelqu'un a des boules incendiaires à part moi? Non. Oui. J'en ai une. L'idée, ok.
c'est que quand on est pas loin de Plunder, bah du coup, Doug et Squeezie, vous sautez à l'arrière. Locke et moi, on se met à l'avant. Locke, dans l'eau on saute dans l'eau. Ouais, dans l'eau. Avant de sauter dans l'eau, Locke t'envoie un boulet incendiaire dans le mât. Ça fait tout péter. Moi aussi, je peux en envoyer un, hein. Tu veux pas? Attends, mec, j'attends qu'ils soient à l'avant-poste. Oui, justement, genre ils sont à l'avant-poste. Oh, le capitaine il dit please tell me this. Ouais, lui je te dis, il est archi discret depuis tout à l'heure. Il est archi discret, il dit rien, ouais. Il est calme, il pilote. En Gilded. On a vraiment perdu 3 Athéna de ma Gilded. Il commence à le ressentir là. Il commence à le ressentir là. Là, les gars, il y a une prise de conscience sur le chemin jusqu'à l'avant-poste. Guys, sorry. Mon dieu. Oh non, Sprinty John. En plus, il nous a bien cassé les couilles, tu vois. C'est pas pour rien. C'est que c'était son rôle. Sprinty John, ah ouais, c'était ouais, trop c'était chiant, son rôle. C'était important de pour lui. Hein. Ouais, c'était important de vérifier. Fucking game. Aïe aïe aïe, en plus le pire est à venir. Oh mon dieu. Ouais, non, lui, ça y est, il craque. Il s'est retenu. En fait, il y avait différents types de personnalités. Ils avaient aussi des gens qui prennent sur eux, mais quand ils pètent, c'est explosif. Et bah, lui, c'est ce genre de personnalité. Il a pris sur lui, il disait rien, là, il est cool. It's okay. Bro. Ah non, lui je vous dis, c'est fini. Moi, je vous dis, Adelaide, je l'ai ciblé. Voilà, mais oui, je l'ai profilé. Lui, c'est finito, lui. Hey, j'ai envie de marquer chill, man, dans le chat. Lui, c'est. Non, mais les gars, c'est fini. Lui, il va se foutre en l'air, surtout avec le coup de masque qui arrive. Hein. J'ai envie de marquer chill, man. Ça me ferait mourir. Tu sais, un autre pseudo qui arrive et qui dit chill, man. Non, attends, tu pourras dire après. Shut the fuck up. Oh là, je t'explique. Dans 2 minutes, on arrive à mon poste, ok? Mon dieu, on va s'éloigner et on va faire péter le baril. Senda, j'envoie mon incendiaire ou pas, moi? It was my only quest, juste... not yours, chill. Juste on saute dans l'eau, nous, et on fight après. Non, vous sautez pas dans l'eau. Dès qu'il se rapproche de l'île, tout le monde. Vous écartez un maximum du bateau. Donc s'il faut sauter à l'eau, vous sautez à l'eau. Il faut sauter à l'eau. Il y a trop de barils. On saute à l'avant, Senda. Ouais. Mais comment, en sautant dans l'eau, quelqu'un va tout faire péter? Je comprends pas. En gros, je t'explique. Toi et Squeezie, vous sautez sur les côtés ou à l'arrière, comme vous voulez. Okay. Locke et moi, en fait, on est à l'avant, on a un visu de fou. Écoutez. Ils sont en train de consoler en disant, les gars, c'est bon, on a énormément de loot, on va vendre, c'est vraiment, ça va faire beaucoup, c'est juste de l'argent. Mais c'est, ce qui se passe, c'est que même ça, il va pas l'avoir. Ah, j'ai compris. En gros, Senda, le feu va activer les explosifs, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est bon, j'ai la mission. Échappe pas, on tire au sniper. Ok, les gars, putain, j'aime ce plan. On arrive bientôt. Donc, on saute dans l'eau dès que tu nous dis quoi, globalement? No, it's not just money, it's time. I lose my fucking time. 3 heures, le mec, 3 heures qu'il est dessus. I lose my fucking time, it's not just money, it's time. Non, mais putain, j'en veux plus. Le temps, c'est de l'argent, les gars, donc l'argent, c'est du temps. Bah ouais, mais c'est un jeu de pirate, frère, fallait pas jouer à un jeu de pirate. Préparez-vous les gars. Ok, tu nous dis, on saute à l'arrière dans l'eau, c'est ça? Senda, I don't know what to say. Sur le côté où tu veux. À l'arrière, excusez-moi, on prend pas des trucs à l'arrière. Vous êtes prêts? Oui. Tu me dis qu'on saute. 2, 1, maintenant. Ok. Lock, saute. Saute. Go. J'ai sauté. La prophétie. Go! Let's go! OMG! 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 Là, ils peuvent plus spawn ici? Let's go! Oh, let's go! Le coup de massue! Regardez, ça vous TP! Oh, j'ai revécu une explosion! Ça m'a TP! Non! Moi je suis là! On peut rendre! Oh non! Attention spawn! Comment ça spawn? C'est pas grave, je peux dire, vous êtes où? Ok. J'ai pas de balles, faut que je prenne des balles. Attends, Snake. Ça fight ou pas? Y'a des fights ou pas? Va avec lui, je suis à côté, j'arrive. C'est avant post Plunder, on est d'accord? Ouais, Plunder. Je ramène le bateau, no stress. Mec, ça marche plus le dropper le coffre? Si, c'est juste que tu le fais pas. Là. Ok. Est-ce que vous voulez que je mette tout dans la chaloupe? Ok, vas-y, je le fais. Les gars, j'arrive, prenez les coffres.
Je mets tout dans la chaloupe, hein, moi. Mets tout dans la chaloupe, tout dans la chaloupe. Ok. Tout. Oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh bordel. Même pas le temps de se réjouir. Oh la dinguerie, la dinguerie. Oh les quatre. Let's go. Comment c'est possible d'être un psycho, je reviens pas. La prophétie, mec. J'ai revu une explosion de mes propres yeux, je suis trop heureux. Les gars, c'était extraordinaire. Extraordinaire, les mecs. Le clip de l'explosion insane avec les points d'interrogation. Je l'ai vu depuis l'eau, c'était. Oh là là. Mec, il y a trop de loot. Il y a trop de loot. J'arrive avec le bateau, la les gars. La déco, elle m'a mis au fond, frérot, je te jure. Mais non, regarde, on s'en est sorti au final. C'est magnifique. Non, je vais déplacer la bague, la chaloupe. Je sais jamais où je suis en fait, de comment ça tourne là. Ah, c'est ça, je crois. Mais ouais, ramène la chaloupe, je t'en supplie. C'est vrai que je suis con, moi, je faisais aller-retour. Ok, encore un peu à droite et j'arrive. Ouais, tu utilises les deux. Lobs en une. Quoi, moi? Mais ouais, chaloupier là. Bah ouais, mais je bloque, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mec, je reviens pas, genre, c'est trop irréaliste là. C'est trop beau, mec, c'est trop beau. Juste profite. Les gars, c'est. On vient tout simplement de faire le meilleur live Sea of Thieves qu'on a jamais fait. Ouais. Mais frérot, tu sais qu'on avait mieux, hein. À l'époque, hein. Dis pas ça, je crois pas. Ah si, on a fait mieux quand même. On a fait un fort où les mecs ils avaient stacké je sais pas combien de fois. Ah oui, c'est vrai. Et c'était quoi, c'était 9 coffres. Ouais, il y en avait énormément, ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'était tellement On va se faire TP ici, mec, hein. T'inquiète, je suis en train de ramener le bateau, les gars, y a pas de soucis. On avait de la chatte en fait, et on est juste à côté. J'en reviens pas, frérot. Checkez s'ils reviennent pas. Ouais, mais je regarde autour là. Ah frérot, là je pense que là ils sont en train vrai, de. Y'a peu de chances qu'ils reviennent tout de suite parce que c'est l'endroit où ils sont pas garés. Mais ça se trouve, ils ont juste rage-kit, hein. Ouais, moi je pense qu'ils ont rage-kit, hein. C'est sûr. Putain, mais ça sûrement désinstall pour certains. C'est fort possible. Ah, crois-moi, demain il va aller au taf, le point serré, il va mal dormir. Eh, prenez les bouts de bois, ça rapporte beaucoup de sous là, ça m'avait surpris. Le truc qui s'appelle pavillon de la fortune. J'arrive plein de balles, les gars, je suis là dans, je pense, dans une minute. On finit juste de ranger, t'as rien loupé, hein, t'as juste ouais, j'arrive, ouais, au moins, remplissez le bateau, on prend un screen, les gars, on fait une photo. Oh, putain, let's go. Les gars, il fait beau, on vient de péta. Y a bien le Athéna du coup dans l'eau. Ah, ça y est, il est rendu, on l'a rendu. Il est rendu, frérot, t'inquiète pas. Il a pas duré longtemps, l'Athéna, sur la plage. Hein. C'est bon, on laisse tout le reste. Tu vas où? Bah j'arrive. Putain, les gars, les mecs, ils doivent être. Genre, honnêtement, il m'arrive ça, je pense que je relance plus jamais le jeu, les gars. Je vous le dis. Alors, en même temps, c'est le jeu, putain, c'est un jeu de pirate, c'est le jeu, c'est ça ce jeu. C'est ça la beauté de ce jeu. Alors là. Ah ouais, c'est le jeu, frérot. Bah en vrai, c'est ça hein, le jeu. Pour ça, hein. Ouais, force à eux. Oh putain, ça lag tellement. On va voir l'été, on va se faire TP. Presque là. Non, avant du tout. Oh, ouais, vous me manquez, les gars, ça manque de naviguer seul. De naviguer avec vous, pardon. Ah ouais. Ouais. Attention. Quelqu'un a repoussé le navire. Wesh, squeeze. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais la vitesse du navire! Bah, j'arrive à pleine balle! En plein navire dans l'île, on s'en fout! Putain, je comprends rien, vous comprenez? Mais non! C'est les crânes Athéna, faites bien! Regarde, j'arrive en driftant, regarde, je drift en bateau, t'es jaloux? Vas-y, je regarde. Oh! Voilà, je suis là! Mais trop bien, ça a monté ma réputée Athéna! Impossible à livrer ici, livrer le butin à Wild Henry sur Croc Hollow. Non, mais rends pas les fleurs, mec, on s'en fout des fleurs! Oh! Il veut rendre les fleurs. Waouh. Et voilà les gars, me voici. Comment allez-vous? C'est beau les gars ce qui se passe, c'est magnifique. Moi on m'a dit on prend tout hein. Bien sûr qu'on prend tout. Je pensais pas que ça existait encore en 2023 des loups pareils. Mais satisfais-toi tout simplement des choses. Je pensais pas que ça existait. Putain les mecs. Impossible à lui réussir à porter le butin à un avant-poste. Ah pareil. Ceci doit être vide avant sa livraison. Les gars, prenez les coffres là qu'il y a sur le truc. Les coffres que vous savez pas vendre, les prenez pas. C'est pas un. Ah, c'est lui. C'est bon. Ouais, moi aussi je me suis trompé de coffre comme un noobs. On est bien.
Wesh, navire. Vendez les gars, vendez. Ils viennent se venger. Ouais, c'est eux. Ah ouais, y'a un mec. Vendez. Tu peux me raise. Attends, y'a un mec là. Y'a un mec là. Barrez, reste. Il est mort le mec, vas-y, réa. Vendez. Donnez l'info, on va les fumer. Eh, ils ont trop le seum, ils reviennent, ils veulent tout. Ils ont trop le seum, ils reviennent, c'est hilarant. Vendez. Putain, mais c'est à qui cette merde? Y'a des trucs qu'ils vendent pas, frère. Thank you for loot. Mais les gars, je coffre de capitaine, c'est où que ça se vend, les gars, le coffre de capitaine? Il me dit des dingueries. Il est fou. Ça se voit que les mecs ils ont tenté le tout pour le tout. Là, devant toi, ouais. Lui là? Ils sont là, regarde, ils sont trop le seum, les experts de CFCUS, voleurs d'Athéna. On est où, les gars? Ils sont venus constater le fait qu'on vole leur truc. Hop là, je vais mérite, les gars. Je vais mérite. Vendez, les gars, vendez. Ah, regarde, il nous insulte. Wesh, c'est un fou. Ouais, il est fou. Lui, je vous le dis, il a craqué, les gars. Mais gros, écoutez mon profilage. Lui, c'est finito. Lui, demain, il fait une dinguerie. Non, pour de vrai, les gars, ça se trouve, là, on vient de créer un... Des monstres. Ah, le, bah, l'ex-Luthor. Ah, L'ex-Luthor, mec. Tout est vendu ou pas, les gars, là? Mais non, vend. La prime de la mort, on la vend où? C'est où, la prime de la mort? Nulle part. Tiens, va vendre ça au mec à qui on vend l'Athéna. Le crâne à Athéna. Ok. Je sais pas où il est, frère. Are you seriously taking Thank you, Spirit John, it was your job, man. No life. Et Ruby de la sirène, qui avance. Ah, y'a un mec derrière. Où je veux? Ouais, allez, hop là, big noobs. Allez, hop là, hit marker. Allez, hop là. Big noobs. Get alive. Oh non. Même lui, il est revenu. Oh non. Les gars, c'est où le... Pour se reprendre des munes, ici? Tu switches d'armes dans l'arsenal. Non, mais pour récupérer des munitions. Tu switches d'armes dans l'arsenal. Et il est où, l'arsenal, sur l'île? Ah, mais attends, tu n'es pas un expert à voler des coffres? Bah non, moi je suis des capitaines. Ah, ok, il est... Attends, j'arrive, je vends des loot. Bah, les gars, on s'est fait 130 000 pièces d'or, 140 000, je crois. Ah, là, il est là. Là, ici, tu switches ton sniper pour ok, un vas-y, skin. Tu regardes. Vas-y. 140 000 de pièces d'or qu'ils n'auront pas. Il va. Je suis là. Don't sell. Mort. Une balle. Don't sell my loot. It was your mission. Your mission. You're the real pirate. You are real pirate. Oh yeah, we are the real pirate here. Yeah. Vous êtes des vrais pirates. Non mais sérieux. C'est ça, mec. C'est exact. Mec, j'ai vécu une vie de pirate. J'en reviens pas. Bien sûr que je suis un pirate, il a tout dit. Non mais il a dit genre t'es un pirate IRL, genre. Oui, il le sait, mais je suis un pirate actuellement. Oh le pauvre. Ah merde, le crâne que j'ai, il se vend où, putain? Mais les gars, c'est jamais le même PMG. Ils vont à lui là? Y'a un mec! My loot! Une balle, un hit. Drop the loot! Je bloque de l'autre côté. Drop the loot! My loot! Les gars, dans le dos, j'ai pris une sale balle. Il campe maison en hauteur là. J'ai plus de coco en fait. Moi je fais que TP. Faut finir de vendre, les gars. Il reste 3 trucs. Mais okay. le crâne faut le vendre où en fait? Je comprends pas. Prime badge, pas bien. T'es où? Je suis dans l'eau. Je le mérite. Les gars, vendez les crânes s'il vous plaît, les gars. Moi je voulais rapprocher parce que je sais pas où les mettre, les vendre. Argentinien, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, mais par rapport à la Coupe du Monde, peut-être, je sais pas, il a peut-être grillé, mais t'es français.
Les gars, vendez. Oui, avec bah, mon accent pourri. Ou les crânes se vendent, s'il te plaît. Mais on sait pas où, on vous rapproche les trucs, vendez-vous. Mais oui, on vend, mais tu nous mets dans le ventre. On dirait jamais, gros. On dirait qu'on a fait ça toute notre vie. Les crânes, c'est où? C'est où? J'ai jamais vendu un crâne de ma vie. Comment ça, lac de zinzin? C'est là les crânes. C'est bon, j'ai compris. Merci, Locke. Quelqu'un a des fruits? Ça revient. Cover. Ok. Non, c'est bon, je crois que c'est Zenda, hein. Géant. De quoi, chez nous? Bah, c'est toi sur le bateau, non? Ou c'est Locke? Ah ouais, ah non, moi j'ai safe le navire. Contact, ils vont, ça roule plus! Mort, voilà! Il y avait rien dedans en plus. Mais vraiment, les mecs sont désespérés, genre. Attends, Zenda, tu viens de couler leur bateau ou je rêve? You're dead! Zenda, tu viens de couler leur bateau ou je rêve? Non, je suis en train de foutre le feu là. Ouais, mais c'est je vois ça. Ouais, on s'amuse. Non, mais genre. Laisse-moi-en. Attends, je t'ai vendu les pistes. Y'a un mec qui revient. Je fais que ça. À la plage. Derrière la tente. Sur toi, Squeeze, je crois. Ah, je l'ai pas eu. Ah, si, c'est que tu l'as eu. J'ai frérot. Ah, ils éteignent du tout. Bah, c'est fini, les gars, je crois. Bon bah les gars, il reste juste deux coffres Overwatch là, on sait pas où les mettre. Eux c'est des coffres, attends viens on les cache. Je vais les cacher. Personne a une petite banane ou quoi là? Si bien sûr. Dans les coffres. Ah y'a un mec qui revient. Qu'est-ce que tu veux voler frérot, arrête un peu. Dead. Thank you for the loot, Thank you for the loot. Jusqu'à la fin de ses jours, le gars, il va. Les gars, on s'est fait 160 000 pièces d'or, je crois, aujourd'hui. Ah, mais vraie piraterie, bien vraie piraterie. Un bon braco comme on les aime. C'est vrai, tu faisais, je peux trouver des bananes. Athena, thank you. Gilded Athena, thank you. Oh là là. Gilded, thank you! Dead! Gilded! See you next year! Gilded, Athena! Oh, il dit que t'es un hacker! Ouais, mais c'est un ouf. Viva Argentina! Viva Argentina et viva Athena! Viva Argentina! Et viva Athena! Viva Slovenia! Argentina, Athena! Argentina, Athena! Argentina, Athena! Thank you for the loot! Thank you for the loot! Thank you! Oh non, les gars! Les gars, quand il y a eu l'over explosion là que j'ai vu depuis sous l'eau. Bah c'est trop beau. J'ai eu un level de dopamine supérieur au GP Explorer, les gars. J'étais tellement heureux, les gars. You go die. Surrender now. We have you right now. La. Scuttling. Oh la prophétie. La prophétie, mec. Qu'est-ce que j'aime buter des mecs sur ce jeu, putain. Là, le mec il est dégoûté à vie par contre. Le capitaine là, il rigole mais il va jamais s'en remettre, frérot. Oh ça coule et tout. C'est trop bien de buter des mecs dans le jeu, genre t'arrives à voir dans leur regard. Ils sont dégoûtés, genre c'est... j'adore, franchement je... Ah j'en reviens pas ce qu'on vient de faire. Putain ça faisait 3 ans et demi que j'ai pas fait un truc pareil. C'est beau. Les gars on s'est régalé, ne nous mentons pas. C'est disparu, c'est fini les gars, GG les gars. Oh là. GG les gars. J'en reviens pas quoi. Non mec c'est du jamais vu quoi. Je sais pas qu'on pouvait faire encore une guildette.
Ils nous ont régalé, hein. Les gars, je vous ai dit que j'avais une vision et que je nous voyais rendre des Athéna. Mais c'est vrai, putain, c'est vrai. Les gars, je vous le dis, c'était comme la dernière fois. Les gars, c'est enfin le moment où je peux sonner la cloche. Ah oui, ah, tu mérites. Franchement, on finit. Venez, on finit tous autour de la cloche. Ah ouais, les gars. Les gars, rendez-vous. Sendalok. C'était trop bien ce soir, les gars. C'était parfait. Non, c'est feu. Franchement, si à chaque fois ça peut être ça, si Opsis. Oh fou. là. Putain, Gota, il a vraiment pas eu de chance la dernière fois. Ah ouais. Bah ouais, il s'est passé l'inverse de ça, frérot. Messieurs, merci beaucoup pour ce live, pour cette soirée extraordinaire. Merci à vous, Capitaine Senda, toujours des performances hors normes. Incroyable, Senda. Capitaine Locklear, sous-capitaine Locklear, toujours des performances hors normes. Dwagby, toujours mon frérot Dupont. Toujours ensemble, je suis jamais loin de toi. Même pour l'explosion. C'était vraiment cool, les gars, c'est irréaliste ce qu'on vient de faire. Je sais pas si t'as senti, mais pendant l'explosion, j'ai essayé de te tenir la main et tout, tellement j'étais stressé. Attends, mais je veux juste, je vais remater un clip là avant de couper, c'est obligé. C'était tellement drôle, les gars. C'était bon. Messieurs, il est temps de sonner la cloche. Alors, tu sais ce que ça veut dire sonner la cloche dans les Navy Seals? Quand tu sonnes la cloche. Allô? Oui. Quand tu sonnes la cloche, ça veut dire que t'abandonnes. Ah, voilà. Et pour que l'ennemi arrête de tirer et tout? Non, genre l'entraînement de Navy Seal, genre dès qu'un mec sonne la cloche, c'est qu'il abandonne et il quitte l'entraînement et il ne pourra jamais être Navy Seal. Ah. Il y a une cloche qui faut sonner pour. Voilà. Pour dire vas-y, j'en peux plus. Messieurs, cette soirée fut légendaire et restera à jamais gravée dans nos mémoires. Prenez soin de vous et à très vite pour d'autres aventures. On reviendra! Merci à vous, Moussaillon, Squeezie, Dwagby, bravo à vous! Merci. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes jamais tranquille! À bord d'un bateau, parce que la Loc Busy rôde en permanence. Aïe. Allez les frérots, bisous les gars. Vas-y, bisous. Bonne soirée les gars, merci beaucoup, gros bisous. C'était cool, ciao les gars, bisous. La vis, ciao.